Et bonsoir à tous, bienvenue dans Expérience Paranormale. Ravi de vous retrouver comme chaque mardi en direct sur Rencontre Paranormale. Bienvenue à tous, j'espère que le chat va bien. Tous les mardis, c'est notre petite rencontre avec ce sujet qui nous passionne, vous et nous, les phénomènes inexpliqués, le monde du paranormal. Bienvenue donc comme chaque mardi. Bonsoir ma sœur. Bonsoir mon frère, bonsoir à tous. Effectivement, on espère que vous allez très bien. Nous, on est à fond, on est concentré sur tout ce qu'on fait. Donc du coup, forcément, ça nous tire vers le haut. Et puis tous vos messages de soutien nous aident beaucoup aussi. Donc merci à vous. Je voulais aussi en profiter pour faire un coucou bien particulier à Sébastien qu'on a rencontré hier à l'aéroport de Charles de Gaulle, qu'on embrasse parce qu'il était vraiment voilà, extraordinaire. Il se reconnaîtra, lui et son collègue. Et son collègue, oui. Donc on te salue Sébastien et encore merci pour tout. On te confirme encore une fois Sébastien, on est deux boulets, clermontois. Il comprendra. Tu comprendras et bien le bonjour aussi à ton collègue. Merci à tous les deux, vous avez été vraiment extraordinaires et vraiment hyper agréables. Voilà, le petit coucou est passé. Voilà, donc ce soir, eh ben, vous le savez, Expérience Paranormale, je le répète pour les nouveaux, c'est aussi votre émission. Vous pourrez témoigner dans la soirée. Hein, donc, ce soir, exceptionnellement, ça sera en troisième partie de soirée. Vous le verrez pourquoi. Dès que le numéro de téléphone s'affiche, c'est à vous. Si vous voulez venir partager un phénomène que vous vivez ou quelque chose que vous ne comprenez pas, on en discutera tous ensemble en direct dans Rencontre Paranormale. Alors effectivement, on le dit maintenant quasiment à toutes les émissions, mais on le répète parce que c'est important que vous puissiez tous le savoir finalement. Tout ce qui sera lié dorénavant au paranormal, donc tout ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu de près ou de loin que vous souhaitez partager avec nous, c'est avec un immense plaisir qu'on pourra le partager ensemble. Par contre, maintenant, vu qu'on ne peut plus du tout gérer les messages privés sur Facebook, enfin de manière vraiment très... Ça commence à être vraiment très très difficile pour nous, parce que je vous le rappelle, on a un travail à côté, donc forcément le temps, il n'y a que 24 heures. Mais juste accessoirement, donc il y a vraiment 24 heures pour tout le monde, pour nous aussi, donc ça commence à devenir très compliqué. Pour autant, n'hésitez surtout pas à venir partager donc ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez toujours à travers cette émission qui vous est finalement dédié. Allez pour vous, bien sûr, autour d'un sujet principal, voilà. Comme vous le savez, comme chaque mardi. La seule chose qu'on pourra récupérer, en tout cas en privé, ce sont des partages de photos, aussi, photos, vidéos, bien sûr, comme d'habitude. Exactement, mais vraiment les messages, ça commence à devenir vraiment trop compliqué. On en a reçu encore beaucoup cette semaine, photos, vidéos, certains ont été démystifiés, j'ai envie de dire, puis certaines sont en cours d'analyse. On va en profiter pour remercier notre petite Marine Nationale, comme chaque mardi, qui est là en soutien sur la chaîne. Merci beaucoup ma belle. Merci infiniment Marine pour ton soutien effectivement toutes les semaines, ça nous touche énormément. Au-delà de ton soutien, c'est aussi tous ces messages d'amour que tu nous portes, que je vais lire ce soir. Donc Marine nous dit « Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, ainsi que notre Alain National. Encore une bonne soirée en perspective avec vous deux, de quoi remonter le moral, je vous aime fort. Merci infiniment du fond du cœur. » Et puis on va saluer également Natsogo, bienvenue dans la famille. Elle a mis sa petite veste verte ce soir. C'est ça. Elle a dit, comme d'autres, j'ai pas ce qu'il faut ce soir, je vais m'équiper. Alors bienvenue à toi ma belle, sois la bienvenue dans la famille. J'espère que tu... ça t'ouvrira quelques perspectives et peut-être des réponses. Et je vois que Natsogo est toujours calé sur son fameux cadeau qu'elle attend de Enix, à savoir le string dédicacé, enfin en tout cas logoté. Ça va arriver, ne t'inquiète pas. Tu l'auras un jour, la collection arrive. Voilà, alors j'en profite aussi par la même occasion pour vous rappeler que le livre Rencontre Paranormale, Carnet de route est toujours disponible, tout simplement pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'envers du décor, des enquêtes les plus troublantes qu'on a vécues sur le terrain, avec des histoires de dingue. Si vous voulez savoir tout l'envers du décor, quelques bonnes prières également de protection, etc. Et savoir pourquoi un jour on s'est dit on va faire du paranormal. Exactement. C'est pas tombé du ciel. Voilà, donc le livre est toujours disponible, il en part tous les jours, aujourd'hui il y a beaucoup de bouquins qui sont partis, donc ça vous fait plaisir. Et bien toutes les informations comme d'habitude sont dans la description. Je rappelle que le livre est préfacé par l'excellent Laurent Kasprowitz.
et qui d'ailleurs, et bien surprise, est avec nous ce soir, oui. Car il a sa chronique aussi ce soir, il va nous raconter donc un sujet énorme, voilà, passionnant, il sera en deuxième partie d'émission. Bonsoir mon Laurent, comment vas-tu? Hello, bonsoir. Hello, Laurent. Comment ça va? Ça me fait plaisir de vous revoir, de vous retrouver. Et bien la famille donc, aussi, hein, donc tu vois, on avait reçu déjà des courriers en mail, et il revient quand, Laurent, tout ça? Alors comme nous on a été un petit peu perturbés avec tous les événements que vous savez, hein, un peu privés et non privés, c'est la course un petit peu partout, donc voilà, et Laurent aussi est aussi bien occupé, et on s'était dit que Laurent viendrait de temps à autre dans l'émission ben, pour nous partager des chroniques bien croustillantes comme on les aime. Alors tu vas nous parler de quoi ce soir, Laurent? Ce soir c'est quelque chose d'énormissime, gros dont sujet, je vais vous parler. Ouais. Ouais, vraiment fantastique. C'est un sujet que j'ai d'abord hésité à vous parler parce qu'il faut trouver le bon angle, il faut trouver les bons exemples. Bien sûr. Et puis finalement j'y suis arrivé et voilà, je suis très très heureux de vous en parler. Alors en deux mots, hein, il s'agit du Mandela Effect. Alors il y a peut-être parmi Mandela Effect. Mandela, oui, comme Nelson Mandela. Mandela Effect. Donc et il y a peut-être parmi les auditeurs là déjà des gens qui savent à peu près de quoi il en retourne. Et justement, vous allez voir que c'est vraiment, ça pose problème. C'est un phénomène qui pose problème et qui navigue entre des bugs mémoriels, des problèmes de mémoire collective, oui. Et peut-être autre chose en rapport avec notre réalité. Alors. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Vous allez passionnant. Voir. D'accord. Intriguant même, je dirais. Oui, tu nous as parlé déjà un petit peu en off. Ça a l'air très intéressant. Donc Laurent interviendra donc en deuxième partie d'émission avec sa chronique, hein, donc avec le Mandela Effect, donc un sujet passionnant, vous verrez. Et puis en troisième partie, les amis, ça sera à vous. Donc ça sera votre petit moment à vous. On vous affichera le téléphone sous l'écran. Et puis si vous voulez venir témoigner ou partager un phénomène que vous vivez ou peut-être que vous avez vécu dans le passé, eh ben c'est avec plaisir de venir témoigner. Exactement. Ça sera vraiment votre moment à vous, donc n'hésitez surtout pas, dès que le numéro s'affiche, vraiment c'est votre moment à vous, donc allez-y, faites-vous plaisir et venez partager juste en famille ce que vous souhaitez dans le domaine du paranormal. Voilà, donc on retrouve Laurent en deuxième partie. À tout de suite Laurent, merci. Merci Laurent. À tout à l'heure. Voilà. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle, hein, vous avez dû voir les annonces, la saison 7 recommence bientôt, a pris un peu de retard forcément avec les événements que vous savez. Le premier reportage sort dans bientôt, hein, dans quelques jours, donc soyez patients. Et puis il y a aussi plein d'émissions qui sont aussi pour les membres RP, hein, vous savez, les lives privés, etc., qui sortent aussi cette semaine. Alors effectivement, la saison prend un petit peu de retard forcément, comme tu le disais, avec les avec événements. Avec les événements aussi du Covid, hein, il y a un petit peu de... Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, et puis il y a aussi un autre facteur qui fait que nous, en tout cas notamment moi, je dois être complètement prête à reprendre le terrain, parce que comme on vous le répète à chaque fois, c'est pas un jeu, donc voilà, il faut que la partie psychologique, physique, enfin voilà, tous les critères soient réunis pour aborder la prochaine enquête en toute sérénité, en tout cas limiter un maximum toutes les possibles possessions, entités qui collent. Exactement, il y a déjà un bon chapitre dans le bouquin, hein, vous c'est verrez. Ça. J'ai donné une fois, je ne ferai pas deux fois. Hein. Voilà, alors ce soir, comme vous l'avez vu, sujet principal, on va parler de photos. Vous avez vu donc les photos étranges. On en a déjà parlé beaucoup, hein, dans cette émission-là, aussi bien également des vidéos, parce que ça reste assez proche, tout ce qui est vidéo et photo un petit peu intrigante, qui pose problème. Non démystifié, on en a alors une un peu plus ancienne qui n'a pas encore pas de réponse encore à ce jour. C'est ça. Et puis une plus récente actuellement qui pose problème parce que ça serait peut-être, tenez-vous bien, un spectre le plus net qui aurait été capturé depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps. Car le phénomène a été pris en photo, mais c'est incroyable. Vous allez voir ça après en image. Voilà, donc des photos, on pourra en parler pendant toute une nuit. Il y en a tellement. Il y a aussi beaucoup de fake, vous savez, sur Internet. Il y a beaucoup de photomontage. Oui, finalement, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous prend le plus de temps, hein, quand on fait les recherches pour décortiquer les émissions. Des images où il y a des spectres, ou en tout cas, il y a des soi-disant fantômes ou entités, il y en a à foison. Pour autant, voilà, et le plus dur, c'est de travailler
vraiment sur l'authenticité de tous ces clichés. Exactement, c'est comme on vous disait, hein, avec tout le folklore qu'il y a sur Internet, dans ce milieu-là, aussi bien paranormal que les sujets UFO. Le problème, quand vous, moi ou d'autres personnes qui ont envie de s'intéresser à ce sujet-là sérieusement, il faut déjà décortiquer tout ce merdier, quoi, ouais, quelque part, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de bordel. Est-ce que c'est un montage, etc. Voilà, donc nous, déjà, c'est compliqué quand on traite les sujets parce qu'il faut décortiquer tout ça. Voilà, donc on va vous montrer ce soir deux photos qui posent problème. Et puis, une, je vous dis, ancienne, peut-être vous la connaissez déjà, mais qui aujourd'hui n'a pas trouvé de réponse et est certifiée non truquée. Et une autre qui est un petit peu plus récente, aussi dans un musée, je crois que ça se passe, vous allez voir, qui pose problème. Et ça serait peut-être le spectre le plus net qui aurait été capturé à ce jour. Oui, donc, exactement. Voilà. Je voulais juste répondre au message de Véronique Rome qui nous dit « J'ai eu la visite de mon papa dans un rêve, il m'a prise dans ses bras, il m'a dit « Je t'aime, pourriez-vous me dire ce que cela veut dire ? Merci. » Alors simplement, ça veut dire qu'ils ont en fait plusieurs possibilités de communiquer avec toi, les entités, notamment par des bruits, voilà, des sons. Comme dit Alain, vous savez le médium, notre médium Alain, souvent les entités transmettent des messages via les rêves. Exactement. Alors, c'est peut-être un signe. Il y a plusieurs façons, effectivement. Exactement. Et dans les rêves. Peut-être te faire passer un message d'amour ou autre. Et après, ben, tends la perche, dès qu'Alain revient, vous savez qu'il est hospitalisé, dès qu'Alain revient et on t'embrasse et tu nous regardes Alain, ben, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Justement, lui entrera plus en détail car c'est sa partie à lui. Mais exactement. Voilà, comme il nous dit souvent, les messages des défunts sont aussi souvent transmis dans les rêves. On ne s'en rend pas compte sur le moment, mais comme toujours, c'est à nous d'être attentifs à tous ces signes qui viennent de l'au-delà, quoi. Et c'est des communications à travers les rêves qui sont en général magnifiques et qui font beaucoup de bien au moral notamment. Parce qu'on n'est pas assez attentif, vous savez, on est tous dans ce rouleau compresseur de la vie, boulot, dodo, on ne prend pas le temps de se poser, de regarder ce qui se passe autour de nous. Mais voilà, il y a beaucoup de signes et si on est observateur, on peut se rendre compte de beaucoup de choses. Alors, juste un petit message aussi pour remercier Manonette qui nous dit « on est connecté, c'est dingue ». La petite Manonette. C'est ça. Qu'on remercie aussi pour son soutien qui nous dit « Coucou Enix et coucou Nat, bonne soirée à tous et un gros bisou ». On t'embrasse très fort également et merci pour ton soutien. Merci beaucoup ma belle Manonette qui fait « ASMR ». Je le saurai pourquoi. Allez, on va commencer par le premier sujet, donc photo dans un musée, je vous pose le décor, c'est une femme qui va visiter un musée avec son mari, je crois. Et pas que, voilà, et puis comme tout le monde, hein, tout banalement, on prend des photos, de souvenirs, des choses qui nous intéressent, qui nous intriguent dans un musée quelconque, et puis on revient à la maison, et là... On constate qu'il se passe des choses dans les photos. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une apparence, c'est quelque chose. Voilà, comme souvent, ça se passe dans les photos. Et c'est ça que je trouve complètement magique, parce que nous, en tant qu'enquêteurs des phénomènes inexpliqués, on va exprès sur le terrain faire des photos, etc. Et puis, bon, des fois, malheureusement, il ne se passe rien. Et là, vraiment, de manière complètement inopinée, c'est une mère de famille en famille, du coup, qui fait des clichés. Et là, elle va capturer quelque chose d'incroyable. Ça se passe en 2018 en Écosse, exactement à Glasgow, plus exactement au Riverside Museum, où une mère de famille donc visite un musée tranquillement, et elle a été choquée après avoir réalisé un étrange cliché, car ce cliché, écoutez bien, pourrait devenir la photo de fantôme la plus nette jamais capturée. C'est ce que je disais. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Cette femme donc s'appelle Louise Murphy, c'est une mère de famille qui visite donc en famille l'exposition de vieilles voitures au musée de Riverside Museum. Vous savez, c'est ce fameux musée de transport. Elle est accompagnée de son mari et ses deux jeunes garçons. Et la jeune femme passe une agréable journée comme bien d'autres familles, jusqu'à ce qu'elle prenne une photo pour le moins étrange. Immortalisant leur journée en famille à l'aide de son téléphone portable, comme tout le monde le fait aujourd'hui. Oui, banal en fait, hein, tout à fait. Louise a subitement eu la peur de sa vie.
Sur l'une des photos, une petite fille étincelante aux cheveux longs portant une possible robe à fleurs est apparue. Et c'est ça qui va devenir dingue parce que c'est vraiment un cliché qui sort de nulle part, vraiment en phénomène je suis tranquille en famille, je fais ma petite photo. Et quand elle constate en fait, quand elle regarde ses photos à nouveau, là... Elle a la peur de sa vie parce qu'elle est complètement sûre et certaine, et elle le dira d'ailleurs, qu'il n'y avait personne au moment où elle a fait ce cliché à cet endroit-là. Et je crois que ça date de assez récent. Alors, 2018, donc oui, c'est pas très vieux. Et cette femme-là donc, veut faire expertiser sa photo parce que bien sûr, elle a essuyé beaucoup de railleries suite à ça quand elle a fait voir ça un petit peu sur Internet. Forcément, vous connaissez la chanson. Hein. Vu, et on peut comprendre aussi quelque part, vu qu'il y a tellement de fake sur Internet, on peut tout de suite crier au scandale, c'est un photomontage, etc. Mais cette femme-là est de bonne foi, elle veut faire expertiser sa photo. Donc à ce jour-là, voilà, la photo n'a pas été démentie comme fake. On a enquêté dessus, donc on va vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et c'est justement donc si le visage de ce fantôme est quasiment intégralement masqué, vous remarquerez d'ailleurs sur cette photo, en tout cas sur la partie droite, qu'elle dévoile un œil fixant la caméra. Si vous regardez bien, on voit bien à droite qu'il y a un œil qui fixe la caméra. Et c'est ça qui est extrêmement troublant sur cette photo, parce que non seulement elle est d'une netteté incroyable par rapport à d'autres clichés qu'on a pu voir. Ce qui frappe surtout sur ces photos, c'est les contours. C'est habituellement, ça. C'est un peu plus brumeux, habituellement, hein, ce qu'on est habitué à voir. Il faut dire aussi que ça a quand même bien progressé la photographie. Hein. Bien sûr. Toutes les photos d'époque, c'est vrai que c'était avec des vieux appareils photo. Aujourd'hui, on est quand même, on arrive aujourd'hui à 108 millions de pixels pour les données portables sur un téléphone portable, c'est quand même hallucinant. Hein. Ce qui intrigue voilà, sur ces photos, c'est qu'on voit un œil. Hein, on voit un œil et le reste est un petit peu effacé. Oui, on peut difficilement trop la zoomer, sinon on risque justement de trop pixeliser la photo. Mais malgré tout, faites comme celle-ci, enfin comme ça-là, pardon, on voit bien cet œil qui est vraiment intriguant. Enfin, moi, je trouve que ça me choque, moi, quand on regarde vraiment cet œil. Et donc, du coup, selon Louise Murphy, donc, le cliché a été réalisé alors que personne ne se trouvait dans la pièce. Ça, elle le dit, elle le redit. Et quand elle est interrogée, elle dit « Je pense qu'il s'agit du fantôme d'une petite fille à cause de sa robe à fleurs, donc on distingue vraiment. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais ça ressemble vraiment à une apparition paranormale. J'ai tenté de trouver une explication rationnelle, donc c'est bien parce que du coup, elle a eu cette approche rationnelle tout de suite, hein, puisque de base, si vous voulez, elle ne croit absolument pas au fantôme, donc forcément, tout de suite... Oui, parce qu'elle disait, elle n'est pas du tout branchée paranormale, cette femme-là. Elle va juste prendre des photos banales, en toute tranquillité, dans un musée, comme on le ferait n'importe qui, ou la personne lambda, et puis en arrivant chez elle, en repassant toutes les photos, tiens, la pleine photo à cet endroit-là même où c'est qu'il n'y a rien, et puis il y a une photo aussi qui a cette petite fille qui l'a interpellée. C'est quand même impressionnant de netteté, surtout sur les contours. Hein. Je vous dis habituellement, vous savez, hein, on en a montré pas mal, elles sont généralement plus vaporeuses, moins décortiquées comme ça. Là, c'est vrai que c'est. Et donc, elle veut faire expertiser sa photo, hein, ben, comme je vous dis. Oui. Et puis elle dit bien haut et fort, et elle le dit, elle le redit, elle était absolument seule dans cette pièce au moment du cliché. Donc on peut pas, voilà, elle peut pas se dire, ben finalement c'est un de mes enfants qui était là, puisque déjà de base c'était deux petits garçons. Donc c'est vraiment l'apparition de dingue qui lui est arrivée. Et puis donc de nombreux internautes depuis se sont rués en masse pour donner leur avis. Donc forcément vous imaginez bien que elle l'a diffusé pour avoir le retour de certaines personnes. Oui, parce qu'elle avait diffusé sur son Facebook privé et puis de là pour dire bah, qu'est-ce que vous en pensez, j'ai eu ça, est-ce que ça vous parle, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce phénomène, parce que elle, c'est la première fois que ça lui arrivait, donc elle dit, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu capturé des choses comme ça, est-ce que ça vous parle? Oui, enfin sur un groupe, enfin sur son Facebook ou en tout cas sur un groupe de paranormal comme ça se fait beaucoup. Et bien évidemment, comme d'habitude, certains ont affirmé que la photo était truquée. Ce à quoi finalement Louise répond, je sais que certains disent que la photo a été photoshopée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis même pas capable d'utiliser ce logiciel. Donc à partir de là, on peut croire à sa bonne foi. Et elle dit d'autant plus, je serais ravie de pouvoir envoyer ce cliché à des experts pour qu'ils confirment bien son authenticité. Donc ça prouve d'autant plus encore sa bonne foi.
Exactement. Donc, on suivra un petit peu l'affaire, voir l'évolution de cette photo et de son expertise. Donc, pour l'instant, voilà, c'est assez troublant cette photo. Et c'est vrai que s'il s'avère être ensuite, par la suite, totalement authentique, ça sera vraiment le. Dang. Enfin, pour ma part, hein, je ne sais pas vous, hein, les amis, mais pour ma part, ça sera une des plus nettes que j'ai vues depuis Spectre. Hein, ouais, parce que généralement, je vous dis, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus vaporeux, quoi. C'est comme un effet de nuage où on dessine des fois un petit peu les visages, mais c'est plus dans la transparence. Hein. Alors là, c'est pas tout à fait net non plus, hein, mais les contours, c'est impressionnant, quoi. Et puis cet œil, enfin, moi je trouve que c'est bien cet œil. L'œil, on voit rien d'un côté, puis il y a qu'un œil qui est droit. Enfin, c'est un peu bizarre. Hein. La propriétaire du musée, quant à elle, n'a pas été surprise d'apprendre l'existence de cet esprit. Cet espace particulier du musée, en tout cas où elle est une réplique du Mitre Bar, construit à l'endroit exact où se trouvait le pub à l'origine. Donc là, ça pourrait expliquer le pourquoi du comment. D'ailleurs, pendant le pub, lorsqu'il était en activité, le personnel a fréquemment rapporté avoir repéré l'esprit d'une jeune lavandière qui était morte tragiquement des années auparavant à cet endroit. Oui. Donc, vous voyez, comme souvent, ceci peut-être explique cela. Il y a souvent une histoire derrière et il y a déjà eu déjà des rumeurs de cette petite fille, hein, cette petite lavandière qui était dans ce pub. Hein. Exactement. Donc, on vous tiendra au courant, vous savez, comme d'autres sujets comme ça. Et puis, quand c'est démystifié, on vous le fait voir également aussi. Hein, quand c'est l'histoire de la vidéo qu'il y avait en Angleterre, là, avec la photo du spec qui n'en était pas, hein, vous vous rappelez de ce truc. Voilà, donc c'est très intriguant cette photo. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat également. C'est hallucinant de détails, quoi. C'est vrai que ça serait pour moi, hein, également la plus nette qui a été prise à ce jour, quoi. Alors, je suis en train de regarder justement les messages que j'ai mis en version 300. Quelle année, hein. Non, mais sur mon ordinateur, j'ai mis. Ah oui, non, parce qu'elle s'est mis le chat sur son ordi pour info aujourd'hui en police 600. 300, exagère pas. Non, mais pourquoi je l'ai mis? Parce que je peux remonter beaucoup plus sur la version YouTube que sur le téléphone, enfin sur la version ordinateur. Qu'est-ce que j'ai vu comme message? J'ai vu justement un message de Marine qui disait, Constant, qui disait par exemple, Enix, je les voyais comme ça, les entités petites mais moins brillantes. Voilà, pour qu'on ait une perspective de ce qu'elle a vu. C'est pour ça qu'on vous demande souvent, à vous aussi, hein, pour certains qui ont la chance de voir des choses, on vous demande souvent comment vous les voyez, est-ce que c'est en transparence, est-ce que c'est comme si vous voyez quelqu'un de réellement humain en face de vous. Et là, c'est vrai que cette photo, elle pose question, quoi. Autre message, vos réactions. Regardez, visiblement Nad était en train d'échanger avec une autre personne sur le chat, probablement en tout cas lié à un phénomène. Donc voilà, n'hésite pas en troisième partie, Nad, à appeler pour témoigner, puisque visiblement tu as vécu quelque chose aussi ou tu es en train de le vivre. Ouais. Parce que je lis un message où elle dit « Mais il faudrait que je sois devant la télé quand elle s'allume, j'arrive toujours bien après ». Donc probablement que tu dois avoir quelque chose, en tout cas un phénomène lié à la télé. Donc voilà, n'hésite pas à venir témoigner. Donc préparez-vous pour tous ceux qui veulent témoigner. Hein. J'ai reçu aussi beaucoup de mails de personnes qui nous ont découvert récemment. Ils ont dit j'ai vu que vous faites une émission, c'est super, je viendrai témoigner. Donc ce soir, exceptionnellement, ça sera en troisième partie. Hein. Deuxième partie, comme je disais en début d'émission, c'est Laurent Kasprowitz. Donc n'hésitez pas, on affiche sur le téléphone de toute façon. On dit que c'est à vous. N'hésitez pas à partager votre témoignage. Et puis vous le savez, hein, au risque de me répéter, mais ici on juge personne. Hein. Voilà. Venez en toute tranquillité. Pardon, il y a un message de Nadia qui dit « J'aimerais faire une investigation avec vous, mais financièrement trop cher. » Là, excuse-moi, j'ai pas compris en fait le financièrement trop cher. Des dons, je les vois et entends, et celui de Lille, je serais intéressée, je suis partante. Alors, je comprends pas trop le financièrement trop cher pour peut-être une investigation avec nous. Pour qu'elle se déplace. Ah oui, d'accord, parce que j'ai cru que... Ah oui, pour se déplacer, forcément, les transports en commun, tout ça... Ah oui, d'accord, j'étais pas du tout. Je peux comprendre, là-dessus, ils sont pas gratuits, pour l'instant, quoi. Pour personne, malheureusement, oui, effectivement. J'avais pas compris ça, donc après, tu pourras venir un week-end paranormal, hein, comme on a déjà eu fait avec d'autres abonnés, ça peut être aussi une possibilité. Hein. Voilà, alors on va parler aussi donc, d'un autre sujet, donc deuxième photo de la soirée, qui pose problème encore aujourd'hui, hein, qui n'a pas trouvé de réponse, qui elle, par contre, a été expertisée.
il y a déjà un petit moment. Oui. Qui a intrigué beaucoup de monde. C'est une photo qui a été mise dans, dans un musée. Donc, ils ont fait une exposition d'une vieille usine et puis de, d'un vieux village d'époque. Et personne, tenez-vous bien, personne ne va s'apercevoir de ce détail qu'il y a sur cette photo. Le personnel de la galerie qui expose, etc., ils vont poser ça. Et tout le monde l'a eu en main pendant X temps. Mais personne ne va s'en rendre compte, sauf une personne. Je crois que c'est une des petites filles, des personnes, parce qu'ils vont exposer, ils vont faire une expo d'une usine d'époque. Et puis, il y a une petite fille qui va voir sa grand-mère, parce qu'ils ont fait une photo, vous savez, souvenir de l'usine. Et elle va dire, mais tiens, c'est ma grand-mère qui est là. Et puis, elle va se dire, mais c'est quoi qu'il y a il y a un truc bizarre sur cette photo. Et là, elle va questionner donc, le personnel du musée, et puis essayer de remonter l'information. Personne n'arrivera à lui dire qu'est-ce qu'il y a dessus. Et puis surtout dire, on n'avait rien vu. Quoi. C'est ça. C'est ça qui est hallucinant. Quoi. Personne n'arrive pendant des années sur cette photo. Quoi. Cette histoire est vraiment hyper intrigante. Cette photo date de 2016. Donc, on reste toujours sur des clichés relativement récents. Cette photo est réalisée par des travailleurs donc, dans une usine un siècle auparavant qui semble donc contenir une terrifiante main de fantôme. Cette étrange photo mise en ligne dans le cadre d'une galerie historique sur un site web en direct de Belfast a été repérée par un internaute qui très vite a repéré quelque chose d'étrange. Amusé au premier lieu d'avoir repéré sa grand-mère sur ce cliché, l'internaute s'est par la suite étonné et a déclaré « Je suis heureuse de voir une vieille photo de ma grand-mère dans cette galerie lorsqu'elle travaillait à l'usine. » Ça, c'est énorme. « Ma grand-mère s'appelait Hélène Donnelly. C'est la quatrième femme sur la droite dans la deuxième rangée vers le bas. » Alors ça, j'imagine que certains ont dû la voir parce que c'est quand même une photo qui a fait le tour. Hein. Mais je voulais vous la remontrer ce soir parce que c'est vrai qu'il n'y a toujours pas d'explication sur cette photo. Hein. On voit cette petite main qui est sur l'épaule. Hein. Et c'est cette petite fille qui a vu sa grand-mère qui dit « Mais c'est quoi cette main dessus là ?» C'est ça. Et elle était voir les gens. « Ça vous parle non cette main ?» Ah bon, on ne s'est même pas rendu compte. C'est-à-dire que les gens, ils ont mis la photo. Personne ne s'était rendu compte détail sur cette photo en fait. Hein. Oui, puis ce qui est assez frappant quand on regarde vraiment bien comme il faut cette photo, c'est que sur la photo, la position... elles sont toutes comme ça. Ouais, les mains croisées. Ouais. Les mains croisées, donc elle ne peut pas forcément sortir. Et donc du coup, son père possède cette photo à la maison et dit « Mais je crois qu'elle abrite un étranger. Je ne crois pas aux fantômes, mais je dois avouer que quelque chose d'étrange se trouve sur celle-ci. » Et c'est là où elle dit « Avez-vous vu cette terrifiante main fantomatique sur l'épaule de la jeune fille ?» C'est incroyable de voir cette main alors qu'elle sort de nulle part. Et elle est là aussi, pour le coup, elle est extrêmement nette. Hein. Alors, pour les plus attentifs, il est effectivement possible d'observer une mystérieuse main posée sur l'épaule de la deuxième fille à droite du cliché, en partant du bas, malgré le fait que les femmes derrière ont toutes les bras croisés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui est incroyable. Oui, donc si vous observez bien dans le cercle, on voit que, comme si quelqu'un lui... tenez la main par l'épaule en fait, hein, comme ça, vous voyez, vous avez la main sur le côté comme ça de l'épaule, alors qu'elles ont toutes les mains croisées sur la photo, quoi. C'est flippant, moi je trouve. Et c'est une photo ancienne, hein, c'est-à-dire c'est pas récent, mais personne s'est aperçu de ça. Voilà, que ça soit quand ils ont fait la galerie, l'exposition, ils se sont pas aperçus, à part la petite fille qui a reconnu sa grand-mère, qui a reconnu sa grand-mère donc qui travaille dans cette usine et qui a dit c'est quoi cette main, c'est ma grand-mère, mais c'est quoi ce truc derrière. Ouais, est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est que et puis la photo a été expertisée par la suite et puis il y a zéro trucage. Alors après, est-ce que c'est un défaut d'optique d'époque ou qui expliquerait ceci cela, mais c'est une main qui est un petit peu bizarre et qui sort de nulle part en fait, parce que comme tu le dis, c'est pas comme si elles se tenaient ou chacun avait une position différente. Elles ont toutes les bras croisés. Les bras croisés, effectivement, ouais. C'est ça qui est fou. Donc depuis, les amateurs du genre se posent une question. Un fantôme a-t-il été photographié dans l'usine? Malheureusement, et compte tenu des maigres informations que nous avons à disposition, il est impossible de confirmer l'authenticité de cette photo, ce qui n'enlève nullement son aspect. Donc voilà, il y a une expertise qui a été faite, mais voilà, c'est plus ou moins compliqué de certifier que c'est un phénomène paranormal.
Mais on souhaitait vous la partager parce qu'elle est vraiment extrêmement intrigante. Est-ce qu'il y a un phénomène avec l'appareil de l'époque? Voilà, donc c'est une photo que vous connaissez sûrement. Hein, c'est, elle a fait quand même un petit peu le tour, celle-ci, sur Internet. Et je vous dis, à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé la solution. De dire, ok, ça y est, on a trouvé, c'est dû à cet effet-là que ça fait, cette main aurait pu ressortir. C'est pas comme s'il y avait en plus... un effet d'optique où c'est que ça aurait repris la main de quelqu'un d'autre, oui. Un petit peu en décalé, vous savez, ils ont les bras croisés, mais peut-être ça aurait pris un morceau de main avec un défaut d'appareil qui se passe n'importe où, hein. Mais c'est un phénomène qui est déjà arrivé sur plusieurs photos, ça, hein. On vous montrera la prochaine fois une autre photo, je crois que c'est une photo militaire de marins, je crois, d'un sous-marin. C'est qu'ils sont tous en photo en fait devant le sous-marin et puis il y a une tête fantomatique qui sort de nulle part aussi sur la photo. Donc il y a une tête en plus là sur la photo. Ah, il y a Isa qui dit coucou Nat, j'ai déjà vu cette photo et il s'avère que c'est une femme, ça va trop vite, qui était à côté d'elle mais qui a été retirée. On y voit le crayon gras sur l'épaule qui a été retouché. Voilà, bon, après, voilà, c'est vraiment une histoire un peu particulière. C'est pour ça qu'on souhaitait quand même vous la partager. Parce qu'il n'y a pas d'affirmation que c'est paranormal, mais il n'y a pas non plus de démenti. Voilà, en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a zéro réponse là-dessus. Il y a plein de théories qui ont été évoquées, dont celle que cite... je ne sais plus qui t'y a dit le nom là. Isa. Voilà, il y a eu plein de théories dessus, mais personne peut affirmer aujourd'hui c'est comme ça, ça a été fait comme ça. Je vais vous remontrer le phénomène, comment ça se passe. Ça, c'est une photo qui reste intrigante, mais depuis longtemps. Hein. Donc ça, celle-ci n'est pas nouvelle. Oui, c'est ça. Et voilà, donc plusieurs personnes ont dû la voir également, cette photo. Après, effectivement, on peut en sortir plein de théories, mais voilà, c'est vrai que tant qu'on n'a pas de réponse concrète sur un démenti sur cette photo-là, que ce soit paranormal ou pas, il n'empêche que pour l'instant, c'est inexpliqué puisqu'on n'a pas de réponse, simplement. Voilà, c'est après, comme on dit toujours, il faut vraiment l'affirmation d'un expert, parce qu'après, vous savez, les théories, chacun amène sa théorie. Moi, j'ai vu que c'est ça, l'autre, il a dit ça, et puis comme le reste du paranormal, après, ça se noie dans un sac de nœuds de chacun donne sa théorie. Et puis on n'a jamais en fait la réponse. Donc le mieux, voilà, ces photos soient ensuite expertisées. J'invite d'ailleurs tous les experts qui veulent se pencher là-dessus sur des photos intéressantes, hein, pas toutes les photos conneries qu'on peut voir sur Internet, mais tout du moins les photos intéressantes, de dire voilà, celle-ci, je la réaffirme, etc. Oui. Expertiser, ou s'il y a un phénomène, d'expliquer, de démontrer par A plus B, à la façon dont Jamie, vous savez, comment on peut faire ce phénomène, Jamie? Alors regarde bien, avec un effet d'optique, etc., il peut des fois avoir des résidus comme ça, des phénomènes, des artefacts, ou des choses comme ça qui sortent une photo. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu bizarre. On n'a pas eu le son d'un expert, donc étant donné qu'on n'a pas eu le son d'un expert, en tout cas on n'a trouvé aucune trace d'expert sur cette photo-là, on souhaitait vous la partager parce qu'elle intrigue. Et c'est pas la seule, hein, celle-ci, hein. Donc il y a une comme ça, donc c'est le personnel d'une usine, et puis il y en a une autre, je vous dis, ce sont des marins qui sortent d'un sous-marin, ils font une photo souvenir entre collègues, et puis il y a une photo qui il y a une tête fantomatique qui sort de nulle part, quoi, entre une personne, quoi, qui date aussi des années 60 ou 70, le cliché. Hein. Exactement, exactement. Bon, mais on n'a plus qu'à... Voilà, donc vos réactions sur le chat, voilà. Les amis, en direct. On va regarder une petite bande-annonce et ensuite on passe au sujet croustillant qui nous attend avec Laurent Kasprowitz, le Mandela Effect. Donc, petite bande-annonce et ensuite c'est à Laurent. À tout de suite, les amis. À tout de suite. De retour en direct dans Expérience Paranormale, donc deuxième partie avec Laurent Kasprowitz qui va nous parler du Mandela Effect. Rebonsoir Laurent.
Alors n'hésitez pas, hein, les amis, hein, toutes vos réactions sur le chat, sur les photos, ce que va aussi nous faire découvrir ce soir Laurent. N'hésitez pas à partager toutes vos réactions. Nat checkera les meilleures questions, les plus pertinentes, et puis on les décortiquera ensemble. Vas-y, c'est à toi, Laurent, t'écoute. Alors, qu'est-ce que c'est le Mandela Effect? On t'entend super, super bien. Ouais. Oui. Oui. Ils entendent mal, par contre, apparemment. Excuse-moi, Laurent. Excuse-moi, Laurent. Ah, dans le chat, là, attends, je crois qu'il y avait un petit problème de son, Laurent. Excuse-moi. Je crois qu'on ne t'entendait pas, bah, visiblement. Mais là, je pense qu'ils t'entendent. Vous le devez l'entendre, il y avait un petit souci. C'est bon, confirmez-nous, les amis. On ne l'entend pas, vous avez... Vous m'entendez ? On n'entend rien, les amis. On n'entend rien. Alors, attends, visiblement, Laurent, on ne t'entend pas. Attends, est-ce qu'il y a un petit décalage sur le chat ? Ah, ça y est, voilà, on t'entend, Laurent, vas-y. Vous m'entendez ? Là, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller, tout le monde t'entend. C'est direct, c'est normal. Alors, ouais, donc je disais, voilà, je vais traiter du Mandela Effect parce que en France, ça a été assez mal traité, je crois, par... par quelques vidéos YouTube qui ont soit montré sur un côté sensationnel sensationnel. Tu sais ce que des vidéos YouTube, il hein, faut en prendre et en jeter, chacun apporte ses théories, chacun se prend pour des scientifiques. Voilà, mais même parmi les gens qui se disent sceptiques, rationalistes, etc., ça a été maltraité également. Ouais. Bon, bah alors ce soir, je vais vous montrer toute l'étendue du problème parce que selon moi, on a un gros problème. Le Mandela Effect, alors qu'est-ce que c'est ? C'est alors ça s'appelle Mandela Effect, comme Nelson Mandela d'ailleurs, parce que au début des années 2000, donc quand Nelson Mandela est décédé, beaucoup d'Américains notamment et d'Anglo-Saxons se sont étonnés en se disant « mais tiens, j'ai le souvenir qu'il est mort en prison, et dans les années 80 ». Et pas maintenant, dans les années 2000. Oui. Alors ça pose problème parce que ça pose problème à plein d'égards, hein, parce que d'un côté, t'as envie de rire, t'as envie de dire, attends, Nelson Mandela, il a aussi été président une fois à sa sortie de prison, il a été président en Afrique du Sud de 95 à 2000 environ. Oui. Donc, tenez-vous au courant, vous êtes perchés les gars ou quoi. Mais eux, ils vont mal le prendre parce qu'ils ont, si vous voulez, ils ont ce souvenir complètement chevillé au corps que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 80. Bon, bah alors on va dire que c'est un faux souvenir. Oui. Et puis c'est tout. On va dire que on va convoquer des psychologues qui vont nous expliquer que en fait c'est une distorsion de la mémoire et puis c'est un bug mémoriel. Mmh. Et puis voilà, il y a rien à voir. Bon, quelques années après, d'autres internautes s'étonnent. Parce que ça se révèle surtout sur Internet, ces choses-là. Alors, ça vient de la vie réelle quand même, hein, mais quand même, ça vient sur la place publique, c'est-à-dire sur Internet. Hein. S'étonne que, par exemple, Dark Vador, par exemple, pour prendre un autre exemple, Dark Vador dans Star Wars n'a jamais dit « Luke, je suis ton père ». Oui. Ah, alors là, tu vas être alors là, ça pose problème, parce qu'on est des millions à se souvenir que Dark Vador a dit à un moment donné… à Luc, je suis ton père. On connaît toute cette phrase mythique. Ouais. C'est clair. Voilà, merci pour l'imitation. Je fais quelques imitations. Voilà. Mais temps perdu. Ben les week-ends et avec un petit repas chaud. Rebelote, non. En fait, quand tu regardes le film, il ne dit pas ça. C'est un peu plus compliqué ce qu'il dit. Il fait une phrase, etc. Mais il ne dit pas la phrase « Luc, je suis ton père ». Mmh. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va encore mettre ça sur le côté de la phrase qui a été déformée un peu par la culture populaire, hein, par les imitations. Vous savez comment c'est, hein, une imitation devient plus populaire que le passage réel, que le film réel, et puis finalement on retient l'imitation et pas le film réel. Bon, admettons, on va mettre ça là-dessus, on va dire que c'est encore nous qui beugons, et en fait, dans le film, il n'a jamais dit ça, il n'a jamais dit « Luc, je suis ton père ». Ok. Oui. Bon, alors, moi, il y a d'autres phénomènes comme ça, hein. Il y a d'autres cas de bugs mémoriels comme ça. Alors, t'appelles ça un bug mémoriel ? Alors, comment on le sait qu'il n'a jamais dit ça, Laurent ?
Ben, on ne sait pas. On sait juste que ben, si tu regardes le film aujourd'hui, mais il ne le dit pas. Il ne dit pas ça. Donc, Alors, il voilà. dirait quoi? Parce que ça, je pense que les gens se posent aussi la question. Alors, il dit quoi alors? Alors, il fait une phrase un peu plus longue. Je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais il ne dit Et pas en la phrase gros, exactement. Luc, je suis ton père. Voilà. d'accord. Et en gros, c'est ce phénomène et cet effet, c'est ce que tu appelles justement le Mandela Effect, pour qu'on comprenne bien. Voilà. Donc, D'accord. ce qui C'est pourrait un être exemple, des faux quoi. souvenirs. Ce qui pourrait D'accord. être donc ces faux souvenirs là, finalement, ces vrais faux souvenirs partagés par des millions de personnes, D'accord. ben ça pourrait donc ça rentre sous ce qu'on appelle maintenant le Mandela Effect. Mais alors moi, pourquoi je m'y suis intéressé? Je m'y suis intéressé parce que moi j'ai dans les années 2000, alors c'était bien avant que j'apprenne ce que c'est, hein, que comment que ça s'appelle, etc. Je savais pas. Hein. Donc si tu veux, moi je suis tombé sur le problème sans même savoir ce que c'était. Dans les années 2000. J'avais été étonné par le fait qu'une célèbre marque de sous-vêtements qui s'appelle Fruit of the Loom, je Oui. t'ai envoyé une photo, tu peux peut-être la montrer. Oui. C'est à l'écran, oui. Voilà, vous la montrez, voilà. Bon, alors moi, j'étais très étonné que la corne qui était derrière les fruits de cette marque-là, de ce logo, alors si tu peux mettre la première seulement, la Je la première photo cale, pour ouais, je l'instant. la cale, hein, parce que, Ouais, juste voilà. la première photo, on verra le reste après. Comme ça, on va Voilà. regarder tes explications sur ces Juste deux la première, photos. voilà, celle-là. Vas-y. Ouais, merci. Donc, on voyait que je m'étais rendu compte que bah, tiens, le logo n'était plus le même, puisque la corne d'abondance qu'il y a derrière les fruits avait Ah disparu. oui, Et d'accord. ça, moi, je m'étais fait cette réflexion-là dans les années 2000 déjà, 2005 ou 2010, je ne sais plus. Ouais. Je te mentirais si je donnais une date précise, mais voilà. Et je m'étais dit, tiens, ils ont changé de logo, tout simplement. Oui. Mais en 2018, j'ai appris que, en fait, ce logo à gauche, donc avec la corne d'abondance, Ouais. n'avait jamais existé dans l'histoire de la compagnie. Officiellement, quand on interroge la compagnie, quand on va sur son site internet, Leur logo ou officiel, il n'y a pas de la liste corne en de tous gros. les logos. Pardon? Non, tu veux dire que le logo officiel, quand on se renseigne sur la compagnie, ils n'ont jamais mis de corne. Ils n'ont jamais mis la corne d'abondance. Au pire, il y a un cercle basique tout autour, mais il n'y a jamais eu de corne d'abondance. Or, j'ai remarqué que sur Internet, et pareil encore une fois, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur des grands forums de discussion qui s'appellent par exemple Reddit, certains connaissent peut-être, Oui. des milliers de personnes jurent que, comme moi, il y avait, dans l'histoire de la marque, en tout cas dans les années 70 ou 80 minimum, ce logo avec la corne d'abondance juste derrière, comme à gauche. Alors ce que vous Oui. voyez à gauche, là, c'est une recréation artistique Photomontage. d'un graphiste en Un fonction de sa graphiste, ouais. mémoire, hein. Ouais, d'accord. Voilà. En fonction de sa mémoire, il a refait ce que nous, on se souvient. Voilà. D'accord. D'accord. Et Jusque-là, on est des millions on de comprend personnes à se bien, ouais. souvenir de ça. Alors, là où ça va poser problème dans ce cas-là, là où ça va poser problème, c'est que finalement, même dans la compagnie elle-même, il y a des gens qui y travaillent et qui se souviennent de ce logo avec la corne d'abondance. Donc, même des gens qui travaillent dans la compagnie se souviennent de cette corne d'abondance. D'accord. Alors qu'officiellement, elle n'a jamais existé. Le problème se complique encore un peu plus quand on apprend que dans les années 70, était sorti un album de jazz, un album de jazz qui s'appelait Flute of the Loom. Pourquoi? Parce que le jazzman était un flûtiste. Hein. Et Ouais. donc, ils avaient trouvé très drôle à l'époque, donc dans les années 70, de faire un pastiche. De ce logo Fruit of the Loom avec la corne d'abondance, mais Oui. remplacer la corne d'abondance donc par la flûte pour faire Fruit of the Loom. D'accord. C'est la deuxième photo, tu peux la mettre? Pas de souci. Voilà. Effectivement, on voit bien la flûte. Voilà. Et 40 ans après, donc, enfin pas encore, oui, 40 ans après, en 2019, oui. Des chercheurs, c'est-à-dire des chercheurs, des gens anonymes, hein, mais qui s'inquiètent, enfin, qui s'interrogent sur ce phénomène de Fruit of the Loom dont le logo a changé, ont contacté l'illustrateur et lui Oui. ont demandé ce qu'il en était exactement, comment qu'il avait eu l'idée de faire son dessin. Eh bien, il a bien répondu, écoutez, c'est simple, j'ai pris le logo de Fruit of the Loom de l'époque Oui. et je l'ai recopié, j'ai changé la corne d'abondance et je l'ai mis, et j'ai mis tout simplement une flûte derrière. Et il est catégorique. Il dit, j'ai vraiment copié le logo de Fruit of the Loom de l'époque et Oui. j'ai retiré
La corne d'abondance que j'ai remplacée par la flûte. Alors là, on lui apprend qu'en fait, il n'y a jamais eu de corne d'abondance derrière le logo de Fruit of the Loom. Et le mec, il tombe par terre, quoi. Il dit, mais attendez, j'ai pas fait ce dessin-là, ce pastiche-là, humoristique, Quelques par secondes, hasard. Laurent, qu'on comprenne bien, et le chat aussi, qu'on suive tous bien la théorie de ce bug. Je veux dire, c'est un bug, il y a des choses qu'on voit, qu'à un autre moment, on ne voit plus. C'est ça? C'est ça, si tu veux, ça peut être un problème de. Pour l'instant, hein, on est dans les D'accord, hypothèses, d'accord. mais ça peut être un problème de perception. D'accord. Et ça peut être un problème beaucoup plus important qui serait celui d'une réalité qui change. On verra tout à l'heure pour les hypothèses. Mais ça pourrait être, effectivement, voilà, ça peut être soit un problème de perception et de mémoire, soit un problème de réalité qui change. Et alors, si c'est un problème de réalité qui change, c'est vertigineux. Ah ben un peu oui. Un Un petit peu, petit ouais. peu. Donc, on va revenir dessus, hein. D'accord. Donc là, on a quand même un illustrateur, un dessinateur professionnel, quoi, hein, qui certifie que le logo de l'époque, c'était bien avec une corne d'abondance. Bon. D'accord. Alors, j'ai là le courrier, hein, parce qu'il y a des échanges de mails avec lui, et où il répond. Il est âgé maintenant, très âgé même, mais il répond et il certifie qu'il n'a pas fait ce logo-là par hasard. Et quand on lui dit qu'il n'y avait pas de corne d'abondance derrière, il dit, mais vous rigolez ou quoi? Bien sûr qu'il y en avait un. Donc là, on a D'accord. encore un problème. Je passe sur un autre cas, sur le cas du penseur de Rodin. C'est la photo d'après, je crois, dans la liste que je t'ai envoyée. Le penseur de Rodin, comme vous le voyez, Là. enfin, j'espère que certains se l'imaginent ou que certains vont le voir maintenant à l'écran. Je me fais même pas, hein. Normalement, Ouais. donc, il a bien le poing replié, la main repliée, un petit peu presque fermée, sur le menton. Exactement. Seul problème, c'est que des millions de gens, là encore, pensent que non, le penseur de Rodin a le poing fermé sur le front. Sur le front, oui, exactement. Pire que D'accord. ça, regarde la première photo donc, que je t'ai envoyée, Eric. Ouais, Qu'est-ce qu'elle elle fait, la fille? Elle est à côté de la statue et regarde Ouais. sa main, comment qu'elle l'a. Ouais, effectivement. Ouais. C'est frappant. Et ça, Il y a donc un du coup, ça problème là. serait ça le bug en fait. Elle est à 1 mètre, hein. Elle est à 1 mètre de la statue. Oui, normalement, elle est censée reproduire exactement la même position dans le détail près. Théorie. Il y a Ouais. pire. Et On passe à la comment photo t'expliques d'après? ce phénomène, comment dire, paranormal, Voilà. psychomoteur Attends, tu vas trop vite là. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Ouais, est-ce Non, que non. les Tu gens vas se trop disent, vite. mais c'est Laisse-moi quoi le le temps. truc là? Ouais. Laisse-moi le temps. Photo d'après. Photo d'après. Photo d'après, oui monsieur. On te met la photo d'après, Laurent. Voilà. On y est. Attends, je ne la vois pas, moi. Hop. Il faut quelques secondes avec le décalage, mais voilà, c'est bon. Oui, c'est ça, on a un décalage, hein, visuel. Voilà. On a de nouveau un problème, là, regarde. Il est à côté, il est en face. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le poing un peu sur le nez, un peu sur le front plutôt. Oui. Problème. On voit la photo d'après? Et là, maintenant, c'est la cerise sur Y a le une gâteau. distorsion du temps. Regarde, hein, la cerise sur le gâteau, la photo d'après. Ils sont une dizaine, une quinzaine devant la statue. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Tous le poing sur le front. Exactement. Ouais. Aucun avec le poing sous le menton. Alors, est-ce que Alors, c'est ça encore serait plus une... drôle que ça. Oui? Oui, non, mais j'étais en train de penser, est-ce que ça serait pas une façon de se le représenter entre guillemets, de manière succincte à sa manière? Ouais, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être, mais bon, c'est rigolo, quoi, parce qu'ils sont à côté de la statue, quand même. Mais attends, Ou alors ils ont tous un dans le bug, genre, il y a non? encore mieux. Ouais. Ah, mais moi, typiquement, si je Il y a devais... encore mieux. Oui, vas-y. En 1906, donc on est le soir même de l'inauguration de la statue d'Auguste Rodin qui s'appelle Le Penseur. On invite tout le monde en grande pompe et on fait venir notamment Georges Bernard Shaw, qui lui est un écrivain qui va gagner d'ailleurs le prix Nobel de littérature quelques années plus tard et qui Oui. est un amateur d'art. C'est aussi quelqu'un qui pose pour les grands sculpteurs. D'accord? Oui. Et le soir même, il décide de poser lui aussi, donc c'est pas un idiot, hein, c'est pas un abruti, et il Oui. décide lui aussi
de poser comme le penseur de Rodin. Tu peux mettre la photo ? C'est la photo ça, d'après. Ça enchaîne, ouais. Eh oui, et la main sur le front également. D'accord. On est le soir même. Cette photo-là a été prise le soir même par un photographe. Et Georges Bernard Shaw prétend imiter le penseur de Rodin. Mais après, est-ce que dans ce cas de figure-là, en tout cas concernant le penseur de Rodin, est-ce que ça ne serait pas juste le fait que quand on pense forcément cerveau et que automatiquement, eh ben, la main va être sur le cerveau, quoi, sur la tête. Il se passe un bug dans le cerveau. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est dingue, quoi. Ouais. Pour moi, le penseur de Rodin, c'est la main sur la tête, quoi. Ça, c'est le point appuyé sur la tête. Mais pourquoi ? Parce que c'est le penseur. Le penseur, c'est le cerveau. Et pour moi, automatiquement, je réfléchis comme ça et je me dis forcément que le point, je vais le mettre sur la tête, quoi. Si tu veux l'imiter. D'accord. Bah... Est-ce que ça serait lié ou pas ? Parce que on prendrait quelqu'un dans la rue, on lui dit « Faites-moi la position du penseur de Rodin ». Ça serait curieux de voir quelle position il fait, quoi. C'est systématique. Ah oui, ça serait hyper intéressant de... Tu vois ce que je veux dire, Laurent ? C'est un truc qui peut être... à faire ça, un petit micro-trottoir comme ça. Faites-moi la position du penseur de Rodin et voir comment est-ce qu'il met la main sous le menton ou sur le front, quoi. Et d'ailleurs, sur le chat, tout le monde dit la même chose. Hein. Tout le monde aurait mis le point, en tout cas, sur la tête. Hein. Donc ça, c'est ce que tu veux nous expliquer ce soir, alors, Laurent, le Mandela Effect. Alors le problème, c'est que tu as des millions de gens qui pensent qu'avant, avant, le penseur de Rodin avait bien le point sur le front. Ils certifient. Tu vois, il y a même des amateurs d'art qui disent que non, il y a encore quelques années de cela, avant qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs du phénomène, eh bien non, le penseur de Rodin avait bel et bien le poing fermé sur le front. Donc là, ça pose problème aussi. Oui. D'accord. On a un sous-phénomène encore dans le phénomène du Mandela Effect, de ce souvenir qui bug chez des millions de gens. Le bug de la matrice. On a un autre phénomène dont je vais vous parler maintenant et qui a jamais été, enfin, je crois que jamais été évoqué en France ou très très peu en France concernant le Mandela Effect. C'est le phénomène que les Américains appellent le flip-flop, c'est-à-dire un phénomène d'inversion. D'accord. Pour cela, je vous ai mis une dernière photo. Oui. Ça va enchaîner, elle va arriver. Qu'on connaît bien sûr, la famille pierre à feu. Oui, c'est ça. Voilà, les fameux pierres à feu. En américain, on dit Flintstone. Ouais, donc, exactement. Voyez à droite, plutôt le dessin de droite, il y a deux T au milieu, donc Flintstone. Flint en américain, ça veut dire silex. Ouais. Et stone, c'est les pierres silex, quoi. Hein, voilà. Exactement. Et donc, les pierres à feu, nous, en français. Bon, très bien. Jusque là, tout normal, ouais. Juste là, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, en 2017, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur partout, ça explose. Les gens trouvent bizarre que le T de Flintstone au milieu est parti. Et que maintenant, même officiellement, c'est The Flintstone. Regardez, c'est le dessin à gauche. Il n'y a plus le T au milieu, il n'y a plus qu'un seul T finalement dans le nom. Et ça s'appelle maintenant The Flintstone. Et les gens créent au scandale parce qu'ils disent « mais c'est pas normal, ça perd son sens, etc. » D'autres qui vont dire « mais si, c'est normal, on a toujours dit Flintstone, finalement, voilà, il n'y a jamais eu de thé au milieu. » Bon, bref, ça s'écharpe un peu sur les réseaux sociaux, les gens deviennent fous. C'est pas seulement un bug mémoriel, il y a de quoi devenir fou. Et alors moi, je revois ça un petit peu rétrospectivement, j'ai pas été témoin de ce qui s'est dit en temps réel, je suis arrivé un peu après la bataille. Je vois toutes les batailles verbales, etc. Et devinez quoi ? Au bout de 3 semaines, le T qui était parti revient. Ah oui. On a de nouveau The Flintstone qui revient normalement, comme à droite. Oh, c'est hallucinant. Le site officiel du dessin animé, etc. Partout. Mais... Donc j'ai demandé si ça avait également changé pour les gens, si ça avait également changé sur leur DVD ou sur leur livre. Oui, parce qu'on pourrait dire, Laurent, peut-être qu'à un moment donné, ils ont changé la façon de l'écrire, la production, quoi. Ouais, c'est possible. Alors, j'aurais pu prévenir, parce que
Oui, après, Ils ça auraient peut pu être aussi une prévenir. coquille. Voilà, ça a été 3 semaines. Moi, j'ai demandé, j'essaie d'avoir des réponses actuellement pour savoir si visuellement ça avait changé aussi. Mais les premières réponses que j'ai, c'est que oui, y compris sur les DVD ou sur les livres, etc., il n'y avait plus qu'un seul T. Ça voudrait dire que là, ça voudrait dire, si c'est vrai, que la réalité a changé. Et là, c'est plus compliqué. Là, c'est très compliqué. Eh Là, il oui, faut s'accrocher. ah ouais, d'accord. Donc là, on C'est rentre pas le vraiment. seul. Vas-y. Ouais. C'est pas le seul cas où la réalité semble avoir changé. Au moins 15 jours ou 3 semaines. Il y a d'autres cas qui sont signalés où ça a changé. Alors, bizarrement, c'est toujours des noms de films, de dessins animés, etc. Et c'est toujours plutôt centré sur les Américains. D'accord. Comment qu'on pourrait expliquer ça? Comment on pourrait expliquer des choses pareilles? Alors, est-ce que ce serait comme les Donc ça, c'est un psychologues le pensent? phénomène que tu nous expliques, Laurent. C'est un phénomène qu'on appelle justement le Mandela Effect, de voir quelque chose à un instant T ou d'entendre quelque chose, comme tu nous disais tout à l'heure avec la fameuse phrase de « Je suis ton père » dans le film Star Wars. Et alors, c'est quoi ce phénomène? C'est notre cerveau qui nous joue des tours? Attends, on peut toujours penser que oui, c'est le cerveau qui joue des tours. Sauf Oui. que on a quand même des gens qui voient des changements dans la réalité. Et des changements qui se rétablissent, c'est-à-dire à un moment donné, pendant 15 jours, comme je te l'ai montré avec l'exemple de Flintstone, on aurait un T qui disparaît, qui revient, etc. Certains pensent que même le penseur de Rodin a déjà bougé, quoi. C'est-à-dire que le point, il s'est baladé entre le Ouais. front et le menton, quoi. Donc ça veut dire que la réalité change. Ça voudrait dire, hein, ça voudrait dire, j'utilise le conditionnel. Bien sûr. Donc ça voudrait dire que là, le bug mémoriel ne suffit plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un gros problème de perception? Ça veut dire que ce n'est pas nos yeux et nos oreilles qui voient et qui perçoivent. C'est notre cerveau, c'est notre conscient ou inconscient qui perçoit. Ou est-ce que ça Oui, veut dire carrément que... on nous dit d'ailleurs sur le Oui? chat, peut-être un phénomène de Mandela Effect avec le bonhomme du Monopoly, avec ou sans lunettes. Ah oui. Ouais, oui, Eh ça oui. fait partie des Mandela Effect, bien On est que dans là, il n'y a le... pas eu Ouais. d'inversion. Là, il n'y a pas d'inversion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de flip-flop, il n'y a pas eu de je remets les monocles 3 semaines, je les enlève, etc. Quoique, Oui. ça peut venir. Ça peut venir. Mais là, on est dans le mandala effect simple, hein. Moi, je vous ai aussi parlé du mandala effect flip-flop, c'est-à-dire que du changement, en quelques semaines de temps, on voit des choses apparaître, disparaître, etc., quoi. Donc là, c'est compliqué. Ça veut dire Ouais, que là, ça va soit encore c'est plus loin après, notre. là, ouais. Ouais, là, Alors... c'est plus seulement des problèmes de mémoire, c'est des problèmes de grosse perception, des gros problèmes de perception, et voire peut-être même de changement dans la réalité. Alors, les gens qui vont un petit peu sur ce domaine-là, de changement dans la réalité, s'imaginent que on serait sur des lignes temporelles qui s'entrechoqueraient, si vous voulez. On serait Oui. sur des. Bon, moi, je ne vais pas jusque-là, hein, je ne vais pas jusque-là, mais je vous les évoque quand même. Hein. On serait sur des histoires de réalité qui change. Certains s'en prennent même au CERN. Qui gère le grand collisionneur de particules qui aurait fait une connerie dans la réalité, c'est-à-dire qui aurait fait, je sais pas moi, un trou noir ou une explosion nucléaire ou quelque chose qui n'aurait pas, qui aurait détraqué la réalité, qui ferait que finalement des choses disparaîtraient, réapparaîtraient, etc. Moi, je ne vais pas jusque-là, hein, mais j'évoque quand même ces hypothèses-là, parce que je ne vais pas jusque-là parce que c'est des hypothèses quand même très très coûteuses en termes de. Rendez compte, punaise. Tu m'étonnes. Où on va, quoi. Et puis, Ouais. moi, à la rigueur, je veux bien les admettre, hein, mais comment expliquer que, bon, bah, il y a des changements seulement dans des noms de marques et des noms de dessins animés ou dans des répliques de films et qu'il n'y a pas de changement majeur ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On aurait du mal à se l'expliquer. Et puis quand c'est officiel que tu questionnes la marque, tu dises oui, bah effectivement c'est tout à fait normal parce qu'on a changé la police d'écriture, on a changé l'appellation, comme c'est déjà arrivé. Hein. Il y a Bien des marques sûr. comme ça, ils ont changé le logo, ils ont changé une petite appellation, ils ont rajouté un truc. Mais là, voilà, de ce que tu nous expliques, voilà, ce phénomène de Mandela Effect du sujet que tu nous parles ce soir pour que tout le monde comprenne bien, ça serait peut-être un bug dans la matrice où on voit un moment, à un instant T quelque chose et puis notre cerveau l'interprète différemment, comme Oui. l'exemple que tu donnes Alors voilà, ce soir à travers ces soit c'est un photos là. très très gros problème, soit c'est un très gros problème non seulement de mémoire mais aussi de perception et qui pourrait bugger à un moment donné. Et Oui. pourquoi, je ne sais pas. C'est comme s'il y avait un petit farceur qui s'amusait à nous voir faire voir quelque chose qui n'est pas là. Ou à nous faire voir les choses différemment, c'est possible. Ou alors, quand je dis un petit farceur, c'est un petit farceur dans notre cerveau, hein. Oui. Ou alors, on aurait un problème dans la réalité.
C'est la réalité qui peut dériver. Alors, humain ou physique. Voilà, ou un bug de la matrice, si tu veux. Un bug de la matrice. Bon, ça fait beaucoup d'hypothèses, mais il faut encore. Je pense qu'il faut garder tout ça en tête. Il faut poser toutes ces hypothèses, ne pas conclure trop vite. Hein. Il y a certains cas qui peuvent s'expliquer par des bugs mémoriels. Il n'y a pas de souci. Même certains cas qui peuvent s'expliquer par des problèmes de perception. Mais quand il y a des millions de gens qui sont séparés de millions de kilomètres, qui font le même constat à la même date, à la même heure. C'est intrigant, ouais. C'est intrigant. Alors qu'ils ne se parlent pas, qu'ils ne se connaissent pas. Question nette peut-être. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que, en tout cas, sur les photos qu'on a vues de Flintstone, est-ce que ça ne serait pas simplement, et j'ai envie de dire quelque part bêtement, une erreur du graphiste ? Ah non, parce que si tu veux, les gens ont vu ça, ont vu ce changement-là instantanément en 2020 sur leur DVD. Enfin, certains prétendent l'avoir vu ce changement-là sur leur DVD qui sont à la maison, quoi. C'est-à-dire que la veille, c'était bien écrit Flintstone avec deux T. Le lendemain, il n'y avait plus qu'un seul T. Et 15 jours après, les deux T sont revenus. Là, ça va super loin. Donc, tu veux dire, la veille, il regarde le DVD, il voit une police d'une façon, et le lendemain, il est écrit d'une autre façon, quoi. Exactement. Et je vous parle bien de changement dans la réalité. Hein. Je ne vous parle pas de... D'accord, ouais, non, mais d'accord. Oui, okay. Je me permettais de poser cette question pour qu'on comprenne bien, parce que moi, en tout cas, dans ce cas de figure-là, c'est... Pour ceux qui s'interrogent sur le chat, voilà, comme ça, ça ressent le truc, ok, d'accord, ok. Ça va jusque-là, les interrogations. Ça va jusque-là, et c'est pour ça que je vous dis que ça a été quand même assez mal présenté en France. Ce n'est pas seulement des cas de faux souvenirs, ça va beaucoup plus loin que ça, le problème. Et alors... Ça ne veut pas dire que la solution est paranormale ou est science-fiction branchée c'est science-fiction. C'est un phénomène inexpliqué. Quoi. Pour moi, c'est encore un phénomène en grande partie inexpliqué. Et toi, Laurent, ta déduction personnelle, t'en dis quoi, toi ? Comme je te l'ai dit... Ta réflexion personnelle. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce serait très coûteux de penser que c'est la réalité qui bug. Parce que tu connais l'effet papillon. Même quand tu enlèves, même si tu enlèves un T dans un mot dans un dessin animé, voilà. Même si tu enlèves un T dans un mot dans un dessin animé, il y a des conséquences qui peuvent. Il peut y avoir des conséquences partout, quoi. Tu vois, ça peut. Voilà, parce que moi, pour être franc avec vous, et j'avais Laurent en off, il me parlait de ce phénomène. Moi, je ne connaissais pas personnellement ce phénomène. Moi non plus. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, est-ce qu'on est proche aussi du fameux, vous savez, phénomène qu'on connaît tous, la pareidolie, hein, ces visages qu'on pense voir des fois quelque part ou dans la nature. Vous savez, les nuages, ça dessine des visages. Des fois, on peut voir des animaux alors qu'il n'en est rien. C'est notre cerveau qui joue des tours, comme il existe aussi la pareidolie auditive. Hein, ça, on en a déjà parlé dans l'émission. Et tu me disais non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, c'est très très éloigné. C'est très très éloigné pour moi. Alors, ça ne veut pas dire que. Alors, faut aller doucement. Alors, comme tu disais, prétendre qu'il y a eu un bug dans la réalité. Ouais. Moi, je suis prêt, hein, parce que moi, dans le domaine du paranormal, moi qui ai déjà fait l'expérience de quelques phénomènes paranormaux, tu le sais, hein, je sais que dans la réalité, il peut y avoir des bugs énormes, des choses énormes qui se produisent. J'ai même pu enregistrer le phénomène, tu te souviens, moi, c'est le phénomène de coup de téléphone post-mortem. Donc, je suis prêt. Mais en ce qui concerne le Mandela Effect, je sais aussi qu'un moindre événement, un moindre changement dans la réalité a des conséquences partout ailleurs. Donc, je ne comprendrai pas pourquoi on a des répercussions seulement dans la culture populaire et pas encore dans l'histoire ou dans les choses. Ou alors, peut-être qu'on ne les a encore pas vues, ces problèmes dans l'histoire. Tu vois, dans l'histoire au sens avec un grand H, quoi. Oui, à part celui qui va chercher le truc, quoi. À part peut-être qu'il y a peut-être des auditeurs qui vont rebondir et qui vont dire, regarde... Ils vont regarder le DVD ce soir, des familles pierres à feu, ceux qui l'ont. Hein. Ah oui. Ouais, alors, on peut se limiter à penser qu'il y a aussi quand même peut-être déjà un problème de mémoire, de perception, et peut-être notre cerveau qui nous joue des tours, mais c'est pas seulement qu'il nous joue des tours, il joue le même tour à des millions de gens différents sans que ces gens-là se parlent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça le truc. Ouais, exactement. Donc, comme on le voit tout à l'heure avec tous les enfants. Là. Voilà, ce serait comme si on avait un farceur dans notre cerveau et dans le cerveau de millions de personnes au même moment. Quoi. Ça ne réduit pas trop, totalement le problème. Hein. On est toujours dans le paranormal finalement. On est toujours dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et même si c'est plus la réalité qui change, c'est seulement notre perception et c'est quelque chose qui est en nous et qui nous fait voir les choses bizarrement et qui joue avec nous, des millions de personnes en même temps, c'est possible. Mais quand même,
Je vois pas trop l'intérêt et c'est quand même bizarre. Voilà, donc les questions sont ouvertes. Moi, je suis prêt à encore, à, je suis encore observateur. Le phénomène À s'est beaucoup étudier le calmé ces phénomène, derniers ouais. temps. Le phénomène s'est beaucoup calmé parce que les gens avaient remarqué 40 ou 50 bugs du genre. Alors, est-ce que c'est un phénomène qui est connu, ça, Laurent? Parce que moi, c'est vrai que moi, je te dis, en toute franchise, je connaissais pas ce phénomène. Oui, c'est connu. Il y a même eu un film, une grosse production américaine qui s'appelle Mandela Effect qui est sorti l'an dernier. D'accord. Vous pouvez le télécharger maintenant, je crois. Enfin, vous pouvez le trouver. Il s'appelle Mandela Effect. D'accord. Et The Mandela Effect. Et donc, c'est un film de science-fiction. Je ne l'ai même pas vu d'ailleurs. Je ne l'ai même pas vu parce que je sais qu'il traite vraiment sous l'angle science-fiction le problème Oui, et oui, qu'il ne traitera pas vraiment le cœur du problème que moi je oui. pose, que je me pose moi. Après, dans le Mais cinéma, on sait que c'est toujours grossi, hein, grossi ce lettré. voilà, Et, grossi. mais ouais, d'accord, Voilà. ok. Mais il y a sûrement des bouquins, j'imagine, là-dessus, sur le Mandela Effect et plein d'informations. Non, il y a surtout. Ou alors peut-être oui, mais il y a surtout des vidéos qui vont l'expliquer, mais qui vont vous donner qu'une seule partie du problème. Ils vont vous D'accord. parler des bugs mémoriels, D'accord. des faux souvenirs, si vous voulez. Et comme je vous l'ai Oui. montré, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup Oui, plus c'est. compliqué que ça. C'est pas aussi simple que des bugs mémoriels. Si c'était que des bugs mémoriels, ça ferait longtemps que j'aurais réglé l'affaire. Et malheureusement, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a des phénomènes d'inversion, de flip-flop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui apparaît, qui disparaît, qui réapparaît. Voilà, Oui, et puis c'est alors, du lourd, quoi. encore, C'est du lourd. il faut encore aller s'y pencher dessus, être curieux de s'intéresser à ça, parce que c'est vrai que la plupart des gens, Exactement. j'imagine vous aussi sur le chat, la plupart, vous n'avez même pas fait attention à tous ces petits détails, quoi. Non, voilà. On fait vite à. Mais c'est aussi. Quand on n'a pas l'esprit trop curieux, on est prêt à accepter la première explication qui nous vient. C'est un peu de la. C'est un peu de la. Voilà. Bah C'est un après, peu de la. ce qui est On intéressant, fait c'est de une chercher étoile. des pistes, en fait. Voilà. Et de Voilà. comprendre. Mais non, mais on n'a pas tous le temps de chercher, quoi. C'est Et ça. on prend la première explication venue. Moi, je le fais pour plein de choses, donc je Bien comprends tout sûr. à fait. Mais quand on connaît un peu le problème, ou quand on a été soi-même touché par le phénomène, eh ben, on va avoir envie d'étudier ça. Et on va trouver des choses très, très bizarres. Hein. On va Bah, comme trouver je des disais tout à choses très, l'heure, ce très qui serait bizarres. intéressant, c'est de, par exemple, faire un micro-trottoir en disant aux gens, faites-moi la pose du penseur de Rodin et voir Ouais. en pourcentage combien vont la faire bien et d'autres qui vont la faire inverser, quoi, hein, quelque Ah part. bah Je je peux te dire, pense ça sera du 80-90% le point sur le front pour tout le monde. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Mais quand tu vois que Bernard Shaw, le modèle qui a servi de modèle à Rodin, hein, et Oui. qui il servait de modèle à Rodin lui, hein, et qui le soir du dévoilement donc de la statue au public a imité la statue et il se trompe, alors que ils sont les premiers à l'avoir, la statue. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas penser que ça y est, c'est passé dans la culture populaire que le penseur se tient le poing sur le front. Non, non. Ils sont les premiers à l'avoir. Et il fait quand même le poing sur le front. D'accord. C'est On va prendre le peut-être dévoilement quelques la statue. réactions sur le chat déjà un petit peu à froid comme ça là pour voir si des gens veulent poser des questions à Laurent éventuellement sur ce phénomène de Mandela Effect. Nat, quelques réactions déjà? Alors bien sûr, il y a énormément de réactions. J'ai vu un message passer de Véronique qui dit qu'elle fait de la dyslexie et Ouais. que son cerveau en fait interprète toutes les choses à l'envers. Est-ce que ça, enfin, bon, elle dans son cas de figure, elle dit Est-ce que c'est pas c'est une blague, une piste peut-être? mais du coup, je me dis Laurent, est-ce que ça serait pas une piste aussi? Oui et non, j'ai envie de dire, parce que là, le cas de photo, comme montrait Laurent, ils sont pas tous dyslexiques sur la photo, quoi, à ce moment-là. C'est Ça ça. voudrait dire ça, si on va plus loin. Alors. Comment tu vois Ouais, le truc, toi, mais Laurent? des cas de dyslexie, c'est ça? Oui. Oui. Ouais, Est-ce qu'il y mais aurait un alors, lien en gros? Enfin, on serait dyslexique 15 jours, 3 semaines, C'est ça, et le mois voilà. d'après, on ne l'est plus? C'est ce que je dis, ouais. Enfin, c'est un Oui, peu ça, quoi. c'est ça, c'est Mais ça. je crois pas, je crois pas. Je dis pas que c'est absolument pas lié, je sais pas, mais je crois pas, je dirais. Là, pour l'instant, je dirais je crois pas. Autre question, Nat, sur le chat. Je lis aussi Sennar qui dit, formulée en 1957 par le physicien américain Hugues Everett, elle tente d'expliquer rationnellement l'intrication quantique, le phénomène qui permet à deux particules, pardon, d'interagir instantanément. Je crois que j'ai vu sa suite, peu importe leur distance géographique, en proposant le modèle suivant à chaque fois qu'un état quantique est observé au détriment d'un autre. La réalité se scinde et une nouvelle version continue son chemin en parallèle. Ouais, bah alors ça, c'est alors je pense qu'elle fait, elle fait, la personne fait allusion à la théorie quantique et à la théorie quantique même généralisée, c'est-à-dire que finalement,
les choses se modifieraient, mais également nos perceptions, nos souvenirs se modifieraient. En d'autres termes, pour aller vite, hein, on Oui. vivrait dans un rêve, un immense rêve, parce que voilà, on vivrait dans un immense rêve et ça aurait des implications monstrueuses pour redéfinir ce que c'est que la réalité. Moi, je suis prêt, hein, je suis prêt à y aller, il n'y a pas de problème, mais c'est peut-être pas ça quand même. C'est peut-être pas ça quand même. Il suffirait que la pensée, enfin que l'inconscient collectif ou la conscience collective pense à quelque chose pour que ça se traduise dans la réalité, et inversement, qu'il y ait des choses dans la réalité. Je ne sais pas. Ça D'accord. va loin, ça va très très loin. Moi, je suis prêt à y aller, hein, mais peut-être, non, peut-être pas ce soir déjà, je suis fatigué. Et il faudrait davantage de cas. Moi, je pense qu'il va falloir surveiller ce phénomène-là. Oui, tout à fait. Ces Ouais. prochaines années, ça pourrait rebondir. Là, ça s'est calmé. Mais si ça rebondit, et si ça rebondit notamment en France, vous saurez que ben, vous reviendrez sur cette émission déjà. Et il faudra compléter la liste. Très bien, bah, ce sera le mot de la fin. Merci Laurent pour ta chronique encore très intéressante. Je pense que certains, ça a donné des idées de recherche. Je pense que certains vont regarder le DVD ce soir ou autre. En tout cas, ça Et nous a beaucoup apporté. voilà, et puis réflexion également pour d'autres de soulever ce phénomène, donc le Mandela Effect. J'avais pas connaissance non plus du film, hein, moi non plus. Hein, j'ai Non. pas de Mais franchement, là, tu nous as connaissance de appris ça. vraiment quelque chose Le de petit super Colombo, hein, ce intéressant. soir, Laurent a fait Colombo. Je vais dire ça à ma femme. Merci en tout cas, Laurent, pour ta présence, comme d'habitude. C'était un Et puis, plaisir, c'était un plaisir. Merci de m'avoir on te écouté. retrouve très prochainement, encore pour un petit dossier Croustillant. croustillant du bug dans la matrice. C'est clair. Oui, voilà, c'est toujours une question de bug dans la matrice, finalement. Voilà, et puis n'hésitez pas à laisser toutes vos questions en commentaire sous la vidéo, comme ça Laurent aussi pourra jeter un œil, peut-être vous y répondre également sur ce sujet. Merci beaucoup Laurent, on te souhaite une bonne soirée, on te dit à très vite hein, dans Rencontre Paranormale. À bientôt, bonne soirée, merci. On Ciao, t'embrasse et ciao. Merci à bientôt. toi. Merci, À Laurent. bientôt. Voilà, donc on va passer donc à vous. Hein, vous savez, on vous donne la parole dans cette émission. On vous affiche le numéro de téléphone. Ça va être à vous si vous voulez discuter de ce sujet aussi intéressant. Est-ce que vous avez peut-être vécu ce même genre de bug? C'est vrai que c'était un sujet qui pose réflexion. Donc moi personnellement, je le connaissais pas. Alors j'avais Du tout. vaguement parlé de choses comme ça, comme pareidolie, hein, comme d'autres. Mais de ce genre de choses, non. Voilà, de ces bugs un peu dans la matrice. C'est vrai qu'il faut, eh bien, il faut aller chercher le truc, tout simplement. Hein. Si tu vas pas le chercher, bah, tu t'en rends pas compte, quoi. Il faut vraiment avoir l'œil de aller chercher le truc. Non, mais c'était très intéressant ce qu'il nous a partagé et puis Comme toujours. Hein. ça a fasciné beaucoup de personnes et beaucoup ont appris. Donc merci encore à toi, Laurent. Allez, je prends le premier appel, puis Nat prend aussi vos réactions sur le chat. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Quel est ton prénom? Alors, c'est Olivier, je suis des Hauts-de-France. J'ai découvert votre émission hier seulement. Eh ben, bienvenue. Voilà, j'ai savouré avec grand plaisir tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, cette émission-là est très, très intéressante, Merci à comme toi. toutes les autres. Donc, il me faudra du temps pour rattraper le temps perdu. Oui, tu as le temps. Comme c'était un peu de replay comme ça, à tête. Quand tu dis que t'as un moment, tu te regardes quelques replays, ouais. Voilà. Alors moi, ce qui m'amène à vous appeler, c'est surtout la confiance que je trouve en vous par rapport à ce que vous faites. Donc Oui. je suis victime d'attaques de magie noire, j'en suis persuadé. Beaucoup de gens sont... Enfin, j'en parle très 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 peu, parce Oui. que ça sera un sujet qui n'est pas évident. La personne qui pratique la magie noire contre moi, c'est là que ça commence à devenir un peu, on va dire, même très perturbant, c'est ma propre mère. Ah oui, effectivement. Ah oui. Et comment Parce tu que en es j'ai... arrivé, excuse-moi, comment tu en es Oui. arrivé à cette conclusion, Olivier? Alors, en 95, je sais qu'elle a voulu m'initier à la magie blanche. Elle m'a dit, commence par ça, et si ça te plaît, on verra. Peut-être une suite, etc. Donc, elle avait déjà des bouquins, elle pratiquait déjà avec deux personnes. Mais donc après, bon, bah, le temps a passé, moi j'ai fait ma vie, on avait un bon relationnel. Sauf que j'ai pas fait les études qu'elle a exigé que je fasse. Donc là, ça commence un petit peu à se dégrader, mais sans plus.
Et oui. Après mon divorce, en fait, comme je suis devenu, on va dire, assez pauvre, je vis avec moins 411 euros par mois. Ah oui, effectivement. Ouais. Je mange une fois tous les 2-3 jours pour pouvoir nourrir mes enfants quand je les ai le week-end, un week-end sur deux. J'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. D'accord. Et donc, du coup, en fait, au début de ma séparation, elle était avec moi. Et très vite, elle a tourné sa veste quand elle a vu que... Enfin, elle a dit que j'abandonnais mes enfants. Or, j'ai vécu trois mois dans ma voiture. C'est-à-dire, j'allais travailler, j'allais dormir dans les stations, enfin, dans les stations autoroutières pour pouvoir me laver, etc. Et de là, elle a retourné sa veste et comme mon ex-femme gagne maintenant trois fois mon salaire, eh ben, elle va régulièrement là-bas. Elle a reçu mon ex-femme avec son nouveau mari et s'est mariée une semaine après mon divorce. Bah, je me suis senti un petit peu trahi. Donc moi, un jour, j'avais appelé, tout gentiment. J'avais vu le week-end et mes enfants m'ont dit oh, « Ouais, en fait, ta mère, elle est venue passer l'après-midi avec Pascal, le nouveau mari, son ex-femme. Et donc j'appelle ma mère gentiment en disant bah, « Écoute, je suis un peu blessé parce que tu ne m'as pas dit, quoi, je t'interdis pas de parler, j'interdis personne de voir mon ex-femme, c'est entre elle et moi. » Donc les autres, je n'interdis pas d'aller leur parler, lui dire bonjour pour des nouvelles. Bien sûr. Olivier, comment tu es sûr de ça? Ta mère déjà pratique un petit peu ce genre de choses, tout ce qui est un petit peu obscur comme ça, rite, magie noire, tout ça? Oui, il a dit que... Voilà, elle pratique et mon frère m'a appelé et m'a dit « Fais gaffe Olivier, j'ai été... » Après X années, il est parti voir ma mère et il a découvert des choses... beaucoup plus conséquent que ce qu'on avait connu en 95. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, il se passe que moi, j'ai acheté une maison, l'atmosphère de la maison a changé, il se passe de plus en plus de choses bizarres, là, je suis oppressé, je dors tout le temps, je dors très mal, je fais des cauchemars, et en ce moment, en fait, ça commence à prendre une proportion plus inquiétante. L'autre soir, je regardais une émission, on frappe au carreau, donc juste à ma droite, le volet est fermé, c'est le carreau qui donne à l'extérieur de mon salon, on frappe au carreau, et j'entends marcher en haut. Cette nuit, je fais un sacré cauchemar avec mes enfants, j'entends la voix de mon alarme qui n'est pas en service, il est juste branché, j'ai mis un seul détecteur, mais il n'est pas en service. J'attends de mettre les autres. D'accord. L'alarme s'est mise en route, sans raison apparente. Quand j'ai été voir l'historique, porte ouverte, la porte était fermée à clé. J'ai rien compris. Et là, je suis oppressé, j'ai mis de l'encens partout dans la maison, je fais des tas de trucs, mais je m'en sors pas et j'ai très peur. J'ai très peur parce que je sens au fond de moi qu'il risque, je sais pas, de se passer quelque chose. J'ai eu des périodes on m'a parlé de Belzébuth. Alors, depuis quand ça dure ces phénomènes, Olivier? Alors, ça dure depuis un peu plus d'un an. Elle venait encore à la maison, donc ça fait plus d'un an qu'elle vient plus, et elle a fait des choses quand j'étais pas là. Tu veux dire elle qu'avant, donc, t'avais aucun souci, tout allait bien, et puis depuis un an à peu près, depuis que tu vois plus ta mère, ces phénomènes ont commencé? Voilà, ça a commencé avant qu'elle ne vienne plus du tout ici, ça a commencé tout doucement. J'invitais chez moi qu'elle venait garder les enfants, etc., pour voir les enfants. Mais là, depuis qu'on ne se voit plus, ça prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, elle n'aurait besoin de rien du tout pour pouvoir m'attaquer avec la magie noire, parce que comme je suis son propre fils, et qu'elle a des photos de moi, et que de toute façon, elle me connaît, elle a besoin que par la pensée de penser à moi et de faire ses rituels, ses incantations, je ne sais pas. Et je sais qu'elle m'attaque. Il se passe, il y a toujours une... J'ai jamais été aussi mal. Aussi mal. Vraiment pas de chance. Je m'en sors pas. Je vis avec moi quand... Enfin, je survis. Tu en connais les raisons précises? J'en connais plus ou moins. J'ai appris... Alors, ça fait très mal au bout de 43 ans... d'apprendre ce genre de choses, et mon père l'a confirmé, il n'a jamais voulu me le dire. Je suis un enfant non voulu,
donc normalement j'aurais dû jamais exister de la part de ma mère. D'accord. Elle voulait pas m'avoir. Et donc 43 ans après, ça fait mal. Après, oui, alors ça, c'est des choses qui arrivent aussi hein, dans d'autres familles, ça peut arriver. Mais de là, aller jusqu'à de la magie noire. Il y a un monde quand même. Il peut y avoir l'abandon, dire bon ben je suis en déni total sur cet enfant, etc. Il n'était pas voulu, etc. On a eu des témoignages comme ça aussi, même des reportages télé sur ce genre de sujet-là. Mais de là après à pourrir la vie de la personne, de son fils, tu vois, c'est autre chose. Il y a l'abandon, certes, et de là la magie noire. Qu'est-ce qui te fait penser donc la magie noire et pas peut-être autre chose? Est-ce que tu as fréquenté peut-être le monde du paranormal de près ou de loin? Est-ce que tu as fait peut-être des expériences paranormales chez toi ou pas? Alors non, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu faire, surtout dans cette maison, qui est très saine, qui m'a... Quand je suis rentré dans cette maison, il y a une connexion. C'est-à-dire que même la vendeuse m'a dit, on dirait que vous habitez déjà ici. Et je me suis senti tout de suite bien. J'ai jamais pratiqué la magie, je suis très croyant, et je ne veux surtout pas toucher à la magie noire, ni à la magie blanche, parce que ce serait un peu trop facile. Aller chercher, résoudre ces problèmes avec la magie, pour moi, c'est... Ouais, c'est... Oui, alors, sans parler de magie, Olivier, est-ce que tu as fait, je ne sais pas, de la Ouija, est-ce que tu as fait de l'écriture automatique, du pendule, peu importe, est-ce que tu as touché un petit peu au milieu du paranormal, peut-être? Non. J'ai pas été très tenté par cela. Je suis très croyant en tout ce qui est paranormal. Quand je regarde vos émissions... Il y a des fois j'ai envie d'être là pour vivre ce que vous vivez. Je suis très croyant par rapport à tous ces phénomènes, par rapport donc aux entités, aux démons, parce que je crois en Dieu, donc forcément je sais qu'il y a un démon quelque part. Il y a l'opposé quelque part, c'est un équilibre universel, il y a un équilibre qui doit se faire. Et moi j'ai en 84 quand ma mère j'ai lu des bouquins sur la magie. Mais j'ai lu le truc de retour, j'ai lu des trucs comme ça, j'ai dit non, ça c'est un truc qu'il faut pas toucher. Et donc, j'ai senti au fond de moi. Pour résumer, Olivier, après tu pourras aussi nous rappeler une autre fois si tu veux rentrer plus en détail. Et puis surtout, j'allais venir nous contacter en privé. Tu veux te débarrasser de ça, j'imagine. Oui, j'imagine. J'ai pas compris. J'imagine que tu veux te débarrasser de ça, tu cherches une solution quelque part. Oui, parce que là, je vais vous dire, ça me pourrit la vie, et j'ai peur que ça se termine en drame. Mais le sentiment que j'ai là aujourd'hui, ça va très mal se finir, j'en suis persuadé. Mais quand tu dis ça va mal se finir, tu penses à quoi exactement? Bah là déjà, je suis en train d'envoyer chier tout le monde. Je ne me reconnais pas, même moi je ne me reconnais pas. J'ai envoyé, je suis bien tout seul, c'est pas normal. Ouais, je suis quelqu'un de très ouvert et là je suis dans cette maison et je suis dans une prison. Cette maison me domine, il y a quelque chose qui me retient, qui me... Moi je pense qu'il faudrait regarder les deux pistes possibles. Alors oui, comme tu dis, c'est peut-être malheureusement ta maman qui fait de la magie noire sur toi. Mais le fait est que tu dises que tu changes de comportement, que tu ne te reconnais pas, moi ça me fait plus penser à une entité qui est accrochée. Aussi, mais il faut savoir que tout ce qui est magie noire se pratique aussi, hein, rites sataniques dans les pays d'Afrique ou dans les dom-toms aussi, beaucoup hein, sont très attachés à ce genre de choses. Ça peut être aussi une piste, mais voilà, ce que veut te dire Nat, c'est qu'il y a aussi toujours regarder les deux pistes. Les deux pistes, oui. Paranormal et rationnel également, comme d'habitude. Hein. Tu connais la boutique, j'ai envie de dire. Voilà, mais ce que tu dis est très pertinent, parce qu'en 95, quand ma mère a voulu m'initier à la magie, il s'est passé quelque chose dans l'appartement où j'étais, avec deux entités. Ah, donc la piste de l'entité qui serait accrochée n'est pas bête, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'après, voilà. Ça peut aussi, et j'allais y venir, ça peut être aussi le lieu, tout bêtement. Oui. Mais là, j'habite à plus de 400 km de où ça s'est passé. Et entre le moment en 95 où j'ai eu ce problème avec ces deux entités, et j'ai encore tout dans la tête, comme si c'était hier, et aujourd'hui que ça recommence, il y a eu quand même 16 ans. D'accord. 16, 17 ans, quoi. Enfin, mon mariage a duré 16, 17 ans. Avant de me marier, il y a eu 5 ans avant. Vous voyez, il y a... J'ai pensé à ça parce que c'était quelque chose qui m'est resté, mais là, je sais que cette entité-là ne me voulait rien de méchant. Et là, il y a quelque chose d'autre qui est très,
très très mauvais et qui va faire des dégâts. Oui. J'en suis persuadé. Moi, je pense, pour vraiment pas éliminer la piste de l'entité qui s'est accrochée à toi, parce que vraiment, en tout cas, de ce que tu décris, moi, ça me fait fortement penser à ça, notamment quand moi, j'avais eu ce phénomène de possession, ça s'est vraiment traduit comme ça, c'est-à-dire que je ne me reconnaissais absolument plus. Et effectivement, si on n'avait pas été voir un prêtre exorciste, je pense sincèrement que j'aurais été capable de tuer quelqu'un, réellement. Donc effectivement, quand tu dis que ça peut très très mal se passer, je le comprends tout à fait. Donc pour en tout cas t'apaiser et pour enlever, éliminer cette piste, moi je t'inviterais vraiment d'aller voir un prêtre exorciste. Hein. Alors, ouais. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est que tu vas nous contacter en privé, comme ça on pourra t'amener une première salve, j'ai envie de dire, de pistes que tu pourras explorer. Comme ça tu nous feras un retour suite à cette première piste, et puis si ça persiste, on te donnera quelques contacts sur ta région pour que tu puisses aller plus loin et régler le problème. Mais déjà, logiquement, la première piste devrait faire effet. Donc contacte-nous en message privé, tu nous rappelles bien que tu es Olivier de l'émission Expérience Paranormale, puis on va te dire un petit peu ce qu'il faut faire. Dans un premier temps. D'accord, je vais envoyer un email, alors je ne sais pas comment ça marche. Sur le site officiel, sinon, tu vas sur le site officiel, rubrique contact, d'accord ? D'accord. Tout simplement. Tu as toutes les infos sous la vidéo, là, sous le live, d'accord ? D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, parce que vous allez vraiment au-delà de ce que les autres font. Et je tiens vraiment, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Je tiens vraiment à vous remercier pour les émissions que vous faites et voilà, chapeau. Franchement, c'est très gentil, Olivier. En tout cas, voilà, on reste en contact. Tu nous envoies le message. Oui. En attendant, prends vraiment bien soin de toi. Ça, c'est le plus important. Des pistes, on entend apporter à notre petit niveau et ça va évoluer dans le bon sens. Voilà, rassure-toi. Contacte-nous sur la rubrique contact du site officiel et puis on voit ça en off ensemble. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à toi pour ton témoignage. À bientôt, Olivier. À bientôt. On t'embrasse. Tchuss. Au revoir. Allez, vous aussi, si vous voulez témoigner en direct dans l'émission Expérience Paranormale en direct, on est ensemble jusqu'à plus infinité. Vous connaissez la chanson, hein, comme je dis toujours, avec le sujet déjà qui était intéressant de Laurent Kasprowitz, le Mandela Effect. On y reviendra peut-être, parce que c'est vrai que moi, ça m'intrigue cette histoire. Et deuxième appel de la soirée. Allô, bonsoir. Je vais tout regarder au point de fin, tu sais. Allô, bonsoir. Je te connais. Oui, bonsoir. Bienvenue, quel est ton prénom ? Nadia. Nadia. Bonsoir, celle Nadia. Celle qu'on connaît, Nadia, le retour ou une autre ? Comment ? C'est la Nadia qu'on connaît ou une nouvelle ? Nadia de Lille. Ah, d'accord, Nadia de Lille. Ok, non, c'était une autre, Nadia, qu'on connaissait. Oui, bienvenue à toi. Tu voulais nous partager un phénomène que tu vis, peut-être ? Oui, j'en ai vécu plein même. Ah. Eh ben vas-y, commence par un déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Vas-y. Alors, Nadia. Le premier, j'aurais eu 6-8 ans. Tu avais 6-8 ans, d'accord. Oui, le premier, mais j'en ai eu mes 15-20, enfin je sais plus, je sais pas. Bah tu viendras dans chaque émission, on va commencer par le premier épisode ce soir. Vas-y. Voilà. J'avais 6-8 ans, mes parents devaient jeter un vieux sommier. Oui. Je me suis réveillée en pleine nuit. Et derrière ce sommier, il y avait un homme en noir. Et ma réaction a été de les dire fameux. Ouais. Va-t'en. Oui, et logique. Il a disparu en une seconde. D'accord. Voilà. Ça, c'est le premier. D'accord. Alors, peut-être un deuxième, s'il était court. Comment ? Alors, un deuxième, vas-y. Oui, après, il y en a eu plein dans l'appartement de mes parents, dans tous les appartements où j'ai vécu, en fait. J'en ai plein à raconter, je ne peux pas tout. Donc, en fait. L'apparence de l'homme en noir, pour le premier, ça a commencé comme ça. Tu avais 6-8 ans. Celui qui m'a marqué, enfin, il y en a même deux qui m'ont marqué. Enfin, il y en a plein, en fait. C'est quand j'avais 20 ans que je vivais avec mon petit copain. On était dans la chambre de ses parents qui étaient partis en week-end. Je me suis réveillée en pleine nuit et
il y avait quelqu'un près de la fenêtre, tout en blanc. Et j'étais paralysée par la peur. Donc j'ai crié et c'est parti, je ne sais pas comment vous dire, mais en une vitesse. Oui. Je ne sais pas qui c'était, donc voilà. Toujours dans ce même appartement. Oui. Les parents n'étaient pas là. En pleine nuit, j'ai entendu de tousser dans le couloir. Ça toussait, ça parlait. Et on était en plein été, j'avais la jambe au-dessus de la couverture. Oui. D'un seul coup, j'ai entendu respirer à côté de moi. D'accord. Et j'ai eu le réflexe de passer ma main autour. C'était hyper froid. Et comme si on me caressait la jambe. C'était froid. D'accord. Tout le long de la jambe. Oui, genre quelqu'un de phénomène qui revient souvent, c'est, vous savez, ces phénomènes de froid glacial. Non, je veux dire, dans les témoignages, ce sont des choses qui reviennent souvent. Tu sais, que quand il y a une entité ou proche, c'est souvent glacial. C'est les témoignages qui reviennent habituellement dans le milieu. Il y a eu ça, mais après, il y a eu l'autre appartement où on s'est séparés depuis, on s'est revus 15 ans après, on a vécu ensemble, ouais. Où vit ma fille, et dans cet appartement-là, j'entendais qu'on jouait, j'avais pas ma fille, et lui il avait déjà une fille, et je lui ai dit, on entend, je te dis, on joue dans le bac à jouer de ta fille. Et il me dit, mais non, mais t'es folle, j'entends rien et tout. Et il se recouche et une deuxième fois, on entend la même chose. Il se lève, il va voir, parce qu'il a entendu la même chose que moi, mais il voit rien. D'accord. Et moi, je vois sortir une jeune fille, je sais pas, la vie. Peut-être 12-10 ans. Oui. Je dirais 39-45, pendant la guerre, en fait. Hein. Elle était habillée, des petites chaussettes et tout. Mais je l'ai vue de dos. Elle ne m'a pas fait voir son visage. D'époque, quoi. Comment ? D'époque, quoi. Habillée avec des vêtements d'époque, quoi. Un peu écolière. Oui, ouais, ouais, d'époque, oui. Un peu écolière. Des longs cheveux, une grosse pince, des chaussures vernies, je la vois très bien. Oui. Des petites chaussettes blanches, mais elle ne m'a pas fait voir son visage. Mais je l'ai très bien vue sortir de la chambre. Et est-ce que Nadia, ces appartements dans lesquels tu as vécu étaient plutôt anciens ? Est-ce que voilà, c'était des vieux bâtiments ? Est-ce qu'il y avait une histoire qui pouvait être liée, en tout cas, à ce que tu as vécu en paranormal ? J'ai vécu plein de choses dans tous les appartements où j'ai vécu, en fait. D'accord. Alors ça, c'est autre chose encore. Je pense qu'après, c'est plus que le lieu. Si, à mon avis, il y a quelque chose qui... Tu les attires, probablement. Possible. Même ici, même dans l'appartement où je vis, là, c'est un peu plus calme parce que je mettais un peu de sauge. Mais ça m'est arrivé que... j'entends taper ma porte de salon alors qu'il n'y a personne, je suis toute seule. J'entends taper trois coups, parfois j'entends mon prénom. Mais actuellement, est-ce que tu as toujours des phénomènes ? Non, pour l'instant non. Il n'y a plus rien, d'accord. J'ai fait un peu de sauge et tout, j'ai demandé un peu que ça se calme. Oui. Donc, mais enfin... Peut-être que tu les attires sans le savoir. Il y a quelques petits trucs qui arrivent, mais voilà, je vis avec. Oui, mais je pense que tu dois les attirer, en fait, pour avoir vécu autant de phénomènes de manière assez répétitive et dans divers endroits, notamment. Je pense que tu dois les attirer. Alors, probablement que tu as une faculté que tu ne te rends pas compte, finalement. Oui. Et c'est pour ça que je disais que j'aimerais bien aller faire une investigation, en fait. Savoir si mes ressentis sont toujours là et tout. Oui. C'est pour ça que je disais que c'était trop loin de Lille.
Ah, oui, ah oui. Oui, c'était dans toi, pardon. J'avais pas voilà, compris, moi, le message. C'est ça, tout compris. Financièrement, c'est trop loin de Lille. C'est ce que je disais, la distance. Oui, mais moi, j'avais pas compris ça. Mais ça serait vachement intéressant, quoi. Ah ben bah oui, bien sûr. Bien écoute, bien sûr. Peut-être qu'un jour, si on est proche de Lille, on fera savoir sur les réseaux sociaux. Si on fait un week-end paranormal dans les coins vers Lille, eh ben, ça sera avec grand plaisir de t'inviter, bien sûr, avec plein d'autres. Ah okay. Oui, ça serait super sympa, ça. C'est clair. Voilà, en tout cas, on te remercie pour ton témoignage, Nadia. Et puis, on te dit à bientôt. Bah, puis j'ai pas d'autres histoires. Et je vous adore tous les deux. Ah, c'est gentil. Merci, t'es un amour. On t'embrasse. Merci beaucoup, ouais, Nadia. Je... À bientôt. Prends soin de toi. Tchuss. Bisous. Tchuss. Allez, comme Nadia, encore un appel ou deux avant qu'on se laisse, les amis. Si vous voulez témoigner d'un phénomène, vous voyez, comme eux, hein, si vous vivez quelque chose qui vous intrigue ou vous avez vécu peut-être dans le passé, une histoire qui vous a intrigué, venez la partager. Je salue en même temps le Michel, j'ai vu passer notre ami Michel, il s'en parlera quand tu as parlé de la possession. Ah oui, 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 je l'ai merci. Vu. Oui. On en parle d'ailleurs dans le livre hein, de Michel, il est cité dans le livre Rencontre paranormale, n'hésitez pas. Et déjà, il y a un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Nad. C'est Nad, salut, bienvenue bonsoir, à toi. Nad. Oui, enfin, j'ai réussi. Là. Enfin, ça y est, yes. C'est à toi. Voilà. Tu nous appelles d'où, ma belle? J'ai coupé le son de l'ordi. Bah, t'es bien organisée. Tu nous appelles d'où, ma belle? Voilà. Donc, moi, j'appelle du 77. Non, elle veut pas, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Si, si, elle était voilà, pour nous dire. J'appelle 77 et j'ai une télévision qui, de temps en temps, s'allume toute seule. D'accord. Ah. Donc, bon, je pense que c'est quand même un signe. Sauf que, bon, généralement, je ne suis jamais au salon et j'arrive toujours trop tard. Donc, j'imagine qu'un jour, elle va s'allumer devant moi et que ce qui va apparaître à la télé pourrait servir de message. Mais bon, voilà. Mais... je fais du dodo solo et pourtant il m'arrive plein de choses la nuit. D'accord. Du style. Voilà. Par exemple, souvent quand je suis en train de m'endormir, et j'entends des fois des choses. Par exemple, une fois, on a toqué à ma porte. Oui. Et donc, comme je suis dans un demi-sommeil, je ne sais pas si c'est parce que je rêve, mais franchement, j'ai bien. Enfin, quand on rêve, on le sait. Et quelquefois, quand on a un rêve, par exemple, moi j'ai perdu mon mari, quand je rêve de lui, c'est pas un rêve comme d'habitude, j'ai l'impression que je le vis vraiment. Que tu le vis, ouais. Oui, c'est une impression, on sait que c'est autre chose. Donc là, ce mois-ci, il m'est arrivé deux choses très particulières. J'ai fait... deux fois dans la même semaine une paralysie du sommeil. Oui. Mais comme j'en ai déjà fait en 2016, on va dire quelques semaines après le décès de mon mari où je devais retourner à l'appartement, donc j'étais très fatiguée, j'étais stressée, j'ai mis ça sur le compte du stress. Sauf que là, moi, je suis très détendue et donc je sens la paralysie arriver, c'est-à-dire que j'ai d'abord une hallucination auditive. Ça fait comme un peu comme la spirit box, ça fait un souffle, un quoi. Bruit, ouais. Un bruit particulier de radio, je sais pas quoi. Un bruit blanc, je sais quoi. Que je vais, voilà, je sais que la paralysie va arriver. Et donc, je suis prisonnière de mon corps, je ne peux pas parler, je ne peux pas bouger, mais comme je ne supporte pas qu'on m'empêche de faire ce que j'ai envie, je me fâche et hop, ça revient. Voilà. Et je retrouve ma mobilité. Et là, la chose, par contre, je n'ai pas peur du tout. Moi, je suis totalement détendue. Si je vis avec des entités, ben voilà. Enfin, ils vivent leur mort, je vis ma vie. Voilà. Et donc, il y a à peu près 15 jours, j'étais réveillée en sursaut. Quelqu'un me disait à l'oreille, comme pour me réveiller. Et quand je me suis réveillée, j'ai senti quelque chose à côté de moi. Enfin, je sais pas, je peux pas dire quelque chose de solide.
Et d'un coup, bon, ben, j'ai repris mes esprits, j'ai allumé la lumière, je me suis levée, j'ai bu un coup, je me suis recouchée, je me suis rendormie, parce que bon, enfin, ça ne m'a pas fait plus peur que ça, ça m'a juste surpris. Mmh. Et ça, par contre, c'est le seul phénomène qui est assez parlant, oui, parce qu'on me parle, mais c'est vraiment comme si une personne était à mon oreille pour essayer de me réveiller. Voilà. Ouais. Après, c'est à quelle fréquence que ça se produit? C'est par période une date précise peut-être ou pas du tout? C'est aléatoire? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Après, je sais pas, il paraît qu'en ce moment, avec les lunes et ceci et cela, il y a des choses qui passent plus que d'autres. Bon, moi, je sais que étant petite, quand je m'endormais, j'entendais une foule de gens qui chuchotent et le son avançait, reculait. J'ai eu aussi une vision, mais j'ai tellement eu peur étant petite que j'ai refoulé ça. Et je pense que quand je suis en sommeil ou en demi-sommeil, mes facultés peut-être de ressenti sont libérées par mon mental qui ne fonctionne plus. Oui. Et je suis peut-être beaucoup plus réceptive dans le demi-sommeil ou dans le sommeil qu'en éveil. Voilà. Oui, après, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Après, pour en revenir à ta télé qui s'allume toute seule, moi, je vais aborder une piste complètement rationnelle, pour le coup. Oui. J'ai le cas, en fait, sur une de mes télés qui... Oui, ça peut être électronique. Voilà, qui s'allume systématiquement toute seule la nuit. Je ne mets absolument pas ça sur le domaine du paranormal parce que pour moi, enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses et je ne dis pas que j'ai raison dans ce que je dis. Le jour où elle va s'allumer, où effectivement la prise électrique est éteinte, là je me dirais que c'est paranormal. Pour l'instant, ça reste rationnel. D'autant plus, c'est pour ça qu'on vous dit, gardez toujours d'abord avant les pistes rationnelles, avant de commencer à rentrer dans le paranormal. Parce que c'est vrai qu'avec toute l'électronique qu'il y a aujourd'hui, les télés, smart télé, etc., avec les applications qu'il y a dessus, il suffit que des fois un jour tu vas installer une application sur ta télé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi des applications sur la télé, comme sur les téléphones. Une application qui bug, comme ça vous est déjà arrivé sur un mobile, bah, va peut-être déconner, va peut-être déclencher, allumer la télé, etc. Et les gens vont prendre ça pour pas... Une fois que, voilà, comme tu dis, on a balayé toutes les pistes, qu'on a débranché la télé, tu dis attends, mais là, elle s'allume encore, etc. Là, on peut commencer à entrer dans d'autres trucs, d'autres pistes. Mais c'est vrai qu'il faut être méfiant, voilà. Oui, par sécurité, avec toute cette électronique avec laquelle on vit, quoi. Voilà, je suis totalement d'accord. Moi, pour la télévision, je mets ça à part. Par contre, ce qui arrive dans ma chambre, moi, je suis un peu... Tu es toujours là. Si, tu es avec nous. D'accord. Voilà. Ça, la télévision, je la mets de côté. Oui. Moi, je vis dans la maison, je vis en cohabitation avec mon frère. Mmh. et donc, la pièce où je suis, je ne le savais pas. Mmh. Je dis à mon frère, écoute, cette nuit, j'ai eu l'impression qu'un animal me passe au-dessus de la tête. Je sentais comme les poils. Mmh. Il y a la chatte qui est morte dans la maison et il me dit Léna, elle adorait se coucher au-dessus de la tête comme ça. Oui. Et il m'a dit que Léna est venue mourir dans la pièce où je dors. D'accord. Voilà. Mais pareil, ça m'a réveillée, mais j'ai pas eu peur. Ah, bah oui, mais après, on n'a pas forcément peur d'une manifestation. Voilà, moi, j'ai pas peur. Pour moi, les entités, elles sont partout. Oui. Il y en a dans la rue, dans les magasins, il y en a partout. Mais oui, on cohabite très bien avec depuis longtemps. Pendant qu'on fait des lives. À part quand c'est mauvais, là, on s'en rend plus compte parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose qui ne va vraiment pas bien. Mais sinon, les gens cohabitent avec, même sans rendre compte, et même sans même les ressentir, quoi, pour certains. Hein, donc, voilà. Parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, forcément. C'est ça. Bon, on te remercie en tout cas pour ton appel. Hein. On t'invite à rappeler d'autres fois si tu souhaites partager d'autres phénomènes. C'était très intéressant. Et on te remercie. En fait, c'est surtout pour. Ça peut résonner auprès de certaines personnes qui. Bien sûr, mais c'est le but. Hein. Qui n'en parlent pas. Exactement. Voilà.
Moi, ça m'empêche pas de dormir. C'est pour ça qu'on dit ici, on juge personne. Après, voilà, il y a pas dire, certains pourraient dire, ouais, mais c'est là, elle est folle, etc. Non, ici, on juge personne, on écoute tout le monde. Voilà. Après, comme on vous le dit souvent aussi dans l'émission, sur le chat et depuis tout le temps, gardez toujours cette part de rationalité également. C'est très important. Exactement. Aussi pour faire le tri entre vous. D'autant plus qu'on vit avec un sac de nœuds de outils électroniques, que ce soit smartphone, oui, etc. Oui. Avant de prendre la piste paranormale, une fois que vous avez balayé toutes ces pistes rationnelles et que vous arrivez au bout du bout, dire voilà, j'ai étudié tout ça, là j'ai plus de réponse, la télé est débranchée, elle s'allume, je vois Foucault dessus, je comprends pas, enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà, il faut rationnel d'abord et puis après on voit derrière éventuellement s'il y a quelque chose qui pose problème. On t'embrasse en tout cas, ma belle, merci d'avoir appelé, de partager ton témoignage. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Merci Nad. Oui, après moi, par contre, j'avoue que j'ai hâte de voir ma télé s'allumer sans prise électrique. Ouais. Allez, on va prendre un dernier appel dans Expérience Paranormale. On se quittera là-dessus pour un dernier témoignage en direct dans Expérience Paranormale. Donc, appel non surtaxé, je le répète, hein, 07 83 46 15 17 pour celui qui veut témoigner, nous partager un dernier phénomène dans Expérience Paranormale pour ce soir. Peut-être des réactions déjà, Nat, sur le chat. Tout à fait, il y a supporter AC Milan. Quoi PSG. AC Milan qui nous dit une entité peut-elle influencer un esprit? Alors attends, parce que du coup il est remonté. Pour exemple, rendre une personne dépressive. Alors ça, effectivement, oui, on l'a déjà dit plusieurs fois, parce que forcément une entité, si elle s'accroche en plus, elle peut complètement transformer la personne. Et effectivement, le côté dépressif peut être déjà un premier palier. L'agressivité peut être le deuxième, par exemple. Allez, nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Quel est ton prénom? C'est Joël. Joël, bienvenue à toi, Joël. Tu nous appelles d'où? Du Var. Du Var. Ah, on passe du nord au sud. Tu voulais nous partager un phénomène que tu as vécu? Ou que tu vis peut-être? Oui. Alors, j'aurais voulu avoir une explication parce que je n'ai jamais entendu parler de ce phénomène. Oui. C'est que j'ai un ami. Je me suis retrouvée en entretien, en entrevue avec lui. Et j'ai perçu une entité qui était à l'intérieur de son corps et j'ai vu une personne qui était à peu près habillée comme une personne du XVIIe siècle à peu près, en costume de l'époque et tout. Et comme ça d'un coup, par donc, flash Pardon ? Tu as eu cette vision d'un coup comme ça ? On était en tête à tête et j'ai eu une lumière blanche. Oui. Et j'ai vu en face de moi une personne qui était du XVIIe siècle, habillée avec des vêtements du XVIIIe siècle. D'accord. Et c'était à quel endroit? Tu étais dans quel endroit quand tu as eu cette vision? J'étais chez lui, en face à face, et on discutait. Et tout simplement. Et est-ce que c'est un phénomène qui t'est déjà arrivé par le passé ou c'était la première fois que tu vivais ça? C'était la première fois. La première fois, ouais. D'accord. Et tu as revu ça m'a surpris parce que après j'ai vu son image de je l'ai vu lui et j'ai vu cette personne à travers lui. D'accord. Et la maison de ton ami, est-ce que c'est une ancienne bâtisse peut-être ou il y a l'histoire? Non, rien de tout ça. Un appartement donc non. Oui, non, mais même des appartements, on le dit souvent aussi, tu vas avoir des appartements des fois tout neufs hein, et qui ont été construits des fois sur un ancien cimetière ou un ancien lieu hein, d'histoire qui, ben, forcément, les gens ne connaissent pas. Hein, ils habitent là, c'est un bâtiment tout neuf, mais le terrain, lui, a une histoire par contre. Et je sais qu'il s'est intéressé beaucoup au spiritisme, ainsi de suite. Et déjà chez lui, déjà quand on rentre, il y a du calme chez lui, on se sent super relaxé. Et plusieurs fois en discutant avec lui, une fois c'est arrivé, j'ai vu aussi un genre de nuage, quelque chose qui est passé. Oui. Ouais. Alors est-ce que moi, je sais qu'il a quelque chose. Est-ce que tu as eu un événement particulier pour que ça se déclenche? Parce que comme tu me dis que c'est la première fois, tu m'aurais dit que c'est déjà arrivé dans le passé, bon c'est autre chose. Mais tu as quel âge sans indiscrétion? 50 ans. 50 ans et depuis 50 ans, tu n'as rien eu de phénomène? C'est ta première fois là? Oui, c'était la première fois. Est-ce que quelques mois avant ou peut-être un an avant ou quelques mois, quelques semaines,
peut-être un événement important dans ta vie, quelque chose qui t'a marqué, qui aurait pu créer une fracture. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. J'ai déjà eu des phénomènes particuliers avant la naissance de mon fils. J'ai vu mon grand-père qui était décédé. Mmh. Et c'était une forme très lumineuse, oui, brillante. Oui, mais tu as bien vu quelque chose avant alors. J'ai eu des petits phénomènes un petit peu avant moi. Ah ouais. Voilà, donc. Ah oui. C'est, ce que c'est la question que je te posais, c'est pour ça que ça a son importance. Si tu ne dis rien, c'est une chose, mais là tu as eu des phénomènes, c'est ce que tu viens de nous dire. Ouais. Donc tu as eu des flashs comme ça un petit peu tout le temps. Mes parents aussi, étant petite, je voyais un homme où je dormais. D'accord. Ah oui, donc t'en as vu. Voilà. Donc là, je peux mieux t'aider, là, je comprends mieux. Parce que si tu me dis, j'ai jamais rien eu de ma vie, puis là, ce soir-là, j'ai eu un phénomène, je comprends pas. Là, donc, t'as déjà eu des visions par le passé. Alors, c'est peut-être dû tout simplement à un don de médiumité, peut-être que tu as, hein, sans le savoir. Ah, vous savez, il y en a qui ont des degrés de médiumité totalement différents. D'autres qui peuvent même carrément communiquer avec eux. D'autres, ça va être juste des visions. On en connaît, nous aussi, des plus ou moins proches, qui les voient. Et puis, on en connaît même qui s'y pouvaient même se passer de les voir. Ils s'en passeraient bien, mais ils les voient. Et c'est peut-être ton cas. Tu as peut-être un don de médiumité, sans t'en rendre compte, que tu vis depuis longtemps. Exactement. Et ça se traduit comme ça par flash. Tu vis une scène de vie à un moment T. Ouais, voilà. Oui, un instant T. Ouais. À l'instant T, ouais. Et puis c'est par flash. Ça peut se passer n'importe où et tu vis quelque chose. Et ça serait éventuellement intéressant pour toi de voir une autre identité dans un corps de quelqu'un. C'était la première fois que ça. Parce qu'on avait une conversation tout à fait normale. Hein. Oui, non, mais après, tu peux avoir des variantes du phénomène. Hein. Le phénomène, ça ne sera jamais forcément tout le temps le même que tu vas avoir. Tu peux avoir des... ouais. Mais et de ce que tu me racontes, tu as déjà eu des flashs par le passé. J'ai cherché ce phénomène et je n'ai pas trouvé du tout d'explication de voir une deuxième personne dans un corps de quelqu'un. Ben ça, c'est pareil. C'est ce que je te dis. C'est un don de médiumité que tu as. Sans t'en rendre compte, les médiums, tu sais, eux les voient. Il y a des médiums qui les entendent. Il y a des médiums qui les voient comme toi et moi, hein, comme s'ils voient quelqu'un de vivant. Mmh. Et tu as d'autres médiums qui carrément communiquent avec eux, comme tu le vois avec Alain et plein d'autres médiums qui sont en France et dans le monde entier. Ça s'appelle un don de médiumité. Et après, il faut l'accepter et peut-être le contrôler. Alors, déjà, tu n'en as pas peur, c'est bien, parce qu'il y en a des fois, ils sont un petit peu apeurés de ça. Et puis, ils le vivent très, très mal. Mais je comprends. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Je comprends. Mais vu que tu le vis depuis longtemps, toi, mais tu disais même tout petite, des fois tu avais des flashs, etc. C'est pas d'hier. C'est pour ça que je te posais justement la question, est-ce que c'est un phénomène qui arrive depuis hier ou alors est-ce que c'est depuis longtemps ? Mais visiblement, c'est depuis longtemps que tu vis ça. Et ça change tout en fait sur l'explication. Exactement. Et donc, dans la famille, tous les enfants qui dormaient où je dormais à l'étage ont eu ce ressenti. Ils ont vu cet homme. Oui. Mais qui avait pas de mauvaises intentions, hein. Et même on l'entendait marcher. Tu pourras avoir des entités, etc., qui ça se passera très bien. C'est pas, les entités ne sont pas toutes des démons, des diables, etc. Ah, hein. Oui, oui. Certaines seront un petit peu négatives, forcément. Mais c'est comme dans la vie, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Il y en a des positives, et puis des négatives, et puis des très méchantes, quoi. Des très mauvaises. Il ne faut pas s'imaginer toujours l'entité avec sa fourche. Quand on bascule dans, voilà, et puis quand on bascule dans le bas astral, etc. Alors, oui, rassure-toi, pour répondre à ta question, en fait, tu as tout simplement un don de médiumité. Sans le savoir, que tu ne l'as peut-être pas intégré et accepté depuis toutes ces années, qui serait peut-être éventuellement intéressant à développer avec Alain quand il sera de retour, si ça t'intéresse, de développer, d'avoir plus de questions, parce que lui, forcément, il pourra faire un travail sur toi et en te disant peut-être plus de choses, quand est-ce que ça a commencé et quel est le degré de ton don, peut-être. Exactement. Oui, puis comme dit Nad, en fait, sur le chat, elle dit « Je pense qu'on est tous médiums, finalement. C'est juste qu'on ne travaille pas cette particularité. Voilà. On est tous médiums. » On en avait parlé dans une émission. Hein. On a tous cette faculté de médiumité, sauf que certains vont avoir une certaine facilité à le développer. Exactement. Et d'autres qui le développeront jamais. Voilà, et d'autres qui le bloquent, en fait, complètement, ce qui fait que forcément... Qui sont dans le déni, forcément... Voilà. Voilà. Ben, écoute, en tout cas, on te remercie par ton témoignage. J'espère que ça t'a apporté un début de réponse. Et puis, je pense qu'après, ça serait intéressant de développer avec Alain, parce que lui, étant médium, il va te dire justement à quel niveau tu as cette capacité, quoi. Et puis, comment la maîtriser, si des fois, ça t'intéresse de la maîtriser après. D'accord. Mais en tout cas, d'après ce que tu nous dis, c'est de la médiumité que tu as, en fait. Hein. D'accord. Ok. D'accord. Ouais. Eh bien, on t'embrasse et merci d'avoir appelé et de partager ton témoignage. Bonne soirée, merci. À bientôt, au revoir. Merci à toi, bonne soirée. Tchuss.
Voilà, donc pour ce soir, on va rester sur ce beau témoignage. Ben oui, souvent, on ne sait pas ce qu'on vit. Forcément, on se remet en question, ça pose des questions. Il y a des gens qui pètent aussi un câble, qui rentrent dans la dépression. Il faut faire attention. C'est pour ça que je lui posais la question. Est-ce que c'est déjà arrivé? Elle nous disait non. Alors, si c'était non, c'est une chose, mais oui, en fait. Oui, c'est pas pareil. Il s'est passé quelque chose, donc forcément, ça change tout. Il s'est passé quelque chose ce soir. Il y a des gens voilà, qui ont un don de médiumnité, ils ont des flashs, ils voient des choses, ils ne s'en rendent pas de compte, mais je ne comprends pas, mais c'est un don de médiumnité. Oui, et puis pour vous donner un exemple concret par rapport au ressenti et la manière de vivre avec les entités, ce soir, typiquement, ça n'arrête pas. Enfin, voilà, on a des entités qui n'arrêtent pas de me toucher. On vit très bien avec, il n'y a pas forcément toujours quelque chose de néfaste derrière. On le sait relativement vite, ceci étant, quand ça commence à devenir un peu moins sympathique. Oui. Mais ce soir, pourtant, on n'est pas en train de faire une émission Contact avec un défunt. C'est le festival ce soir. Et puis, pour certains, comme je vois, je peux voir sur le chat, oui, souvent aussi des fois un choc émotionnel, ça peut arriver. Voilà, c'est en sommeil, c'est en douce, c'est en sommeil. Et puis, un choc émotionnel, je ne sais pas, un accident. Une ouverture. Voilà, un accident de vie, un accident de la route, un décès familial, etc. On va vous ouvrir une fracture qui était en sommeil en vous, et d'ailleurs là, depuis je suis plus la même personne, je ressens des choses que je ne ressentais pas avant, c'était juste en vous mais c'était en sommeil, voilà, tout simplement. Et ça a toujours une explication, ça peut pas arriver du jour au lendemain comme ça, c'est pour ça que je posais la question Oui, après il y a ceux qui ont cette faculté d'entrée de jeu sur... À cet abonné là, je posais la question, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est du jour au lendemain ou est-ce que c'était déjà avant, et elle nous a dit que c'était avant, donc ça change tout dans la perception des choses, parce que après ça aurait pu être voilà, comme je vous le dis, suite à forcément un choc émotionnel, ce qui arrive, hein. C'est un choc émotionnel, ça peut être plein de choses, on est plus ou moins sensible, on est tous différents, à des degrés différents de sensibilité, forcément ce qui va choquer et faire un choc émotionnel à l'un ne le fera pas à l'autre. Et voilà, on réagit et donc et puis forcément ça va vous ouvrir ou pas cette fracture en vous, à part ceux qui sont dans le déni total, donc ça c'est un autre discours. On va remercier notre petite Marine pour son... C'est Marine, non? C'est Marine. C'est la Marinette, hein, la Marinette, pour ton soutien. Merci beaucoup pour ton soutien. Qu'est-ce que t'as? Elle l'a mis... Vous êtes bien entouré, je pense savoir qui c'est, oui. On se comprend. On connaît, on est habitués, nous. Hein, on est dans le milieu. Voilà, et ben merci à tous. On va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce petit live avec ce Mandela Effect que nous a raconté Alain. Hein. Je pense qu'on va tous commencer à chercher... Alain. Laurent Kasprowitz, pardon. On va faire un souci avec les prénoms. En ce moment, j'ai un prénom qui est trop de monde. Je fréquente trop de monde. Trop de noms, trop de travail. Voilà, donc on va regarder ça, ce phénomène un petit peu de plus près. Notre Colombo, Laurent Kasprowitz, a passé ce sujet open fin. Tant que tu m'appelles pas Joséphine, ce soir. Ça va aller. Voilà, donc on regardera, je pense qu'on va tous regarder ce fameux DVD de la famille Pierre à Feu. Et puis n'hésitez pas en commentaire à dire, ben vous aussi, peut-être vous avez peut-être vécu des choses. Voilà, ce qu'a raconté Laurent, ça m'a intrigué, moi j'ai vécu tel truc, etc. L'espace commentaire sous la vidéo est fait pour vous, donc exactement. N'hésitez pas, on viendra vous relire. Laurent aussi, hein, s'il y a des messages qui interpellent, il pourra peut-être vous répondre. Posez vos questions, hein, s'il y a des choses qui vous ont intrigué ce soir dans cette émission. Et puis sinon, quant à nous, ben, on va se retrouver mardi prochain. En direct, même heure, même endroit. Surveillez les réseaux sociaux, comme je vous disais en début d'émission. Le nouveau reportage de la saison 7 commence bientôt. Et puis, il y a déjà le live privé demain soir pour les membres RP avec un live de ouf. Voilà. Et puis, suivez le programme de la chaîne. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. On vous embrasse très fort. En attendant, passez une excellente semaine. Bon, on vous dit forcément à très vite, hein, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Et puis... Restez comme vous êtes. Merci pour votre soutien. Et on vous embrasse. Elle a du mal à quitter. Hein, je préfère voilà. Envoyez aussi vos vidéos, photos si vous avez besoin en Facebook privé. Hein, s'il y a des choses qui vous intriguent, n'hésitez pas. Sur ce, passez une bonne fin de soirée. À mardi prochain. Tchuss. Tchuss.